Radio d'Artagnan. Radio d'Artagnan. L'ambiance est là, la musique t'envahit. Vas-y, monte le son et mets-toi en condition. On est là. On est en condition. Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Présentée par Corinne et Arnaud. Tous les mercredis soirs de 18h à 20h. Les poings serrés, la chair à vie. Je reprends mes droits, je commence ma vie. Radio d'Artagnan, c'est ça. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Tous les mercredis soirs, c'est en direct de 18h à 20h en compagnie d'Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jérôme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jérôme. Ça va les garçons? Oui, oui, comme d'hab. Alors ce soir, on a des invités, oui. Surtout une, voilà, et on est ravis de la réaccueillir dans les studios de Radio d'Artagnan. Une petite bretonne, oui, oui, on l'a mis déjà sur Facebook, c'était une petite bretonne qui venait. Lisanne, bonsoir Lisanne. Bonsoir Corinne, ça va bien? Oui, et toi? Ah ben super, soleil, bonne humeur, bonheur. C'est le Gers. C'est ça. Ah, mais ça commence bien. Alors, je précise, magret aussi, alors, de canard. Foie gras, enfin, hein. Et tout ce qu'il faut. Et on mange bien aussi dans le Gers, toujours. Alors, Lisanne, tu es accompagnée ce soir? Ah oui, avec Thierry. Thierry. Alors, c'était Thierry K au début de saison, ça a fini par Titi, parce qu'il paraît que c'est moins pompeux. D'accord, oh, puis on sort. Oui. Ah bon, Titi, bon. Comme tout le monde l'appelle Titi, on a, dans un des campings qu'on a fini là, en fin de saison, on a voté Titi, tout le monde a voté Titi, donc voilà. Oui. On s'en souvient plus facilement en plus. Plus facile. Oui, parce que Thierry K, attention, ça faisait un peu... Un peu hein. Ça faisait K. Ah ouais. Hein bon. Alors Thierry, bien sûr, il t'accompagne à l'accordéon. Ce soir, oui. Oui, et les autres soirs aussi, non? À l'accordéon et au clavier, ouais, ça dépend du répertoire. Voilà. D'accord. Alors Lisanne, tu sais ce qu'on va faire avant que tu te présentes et tout? Eh bien, on va demander directement un live. Ça marche. Hein, comme ça, nos auditrices et auditeurs, ils sauront un peu ce que tu fais. On les emmène tout de suite en Bretagne alors. Et c'est ça, direction la Bretagne directement, où il fait moins chaud, reconnais-le quand même. Bah, de toute façon, il suffit de voir mon bronzage. C'est vrai. Ouais, mais je vais te dire que nous, tu vois, les Gersois, tu sais, le bronzage, ouais, parce que nous, on reste enfermés ici avec la clim, mais tu sais, on bronze pas facilement non plus. Malgré qu'on ait 39 degrés dehors. Hein. Hein, c'est pas un temps breton, ça. En plus, comme je suis franco-canadienne, c'est pas un temps canadien non plus. Oh mon Dieu, non. Ah non, mais on sent... Bon, t'as la clim ici, comme ça, ça te rappelle un peu le Canada. Un mini frigo à la radio. Allez, Lisanne, alors tu veux commencer par quelle chanson? On va partir en bateau. Oui. Voilà, en bateau pour Distro. C'est parti. Allez. Oh, oh joli marin, au bastingage, accroche-toi bien. Oh, oh, gentil marin, si tu as peur, je te tends la main. Au gré du temps et des marées, les chars marins qu'un par naviguer, en bas quand t'as son bord, des matelots au cœur d'or, peu habitués au vent salé et aux embruns sur la jetée, coup de soleil est arrosé, pas un d'entre eux ne va dessaler. Oh, oh, joli marin, au bastingage, accroche-toi bien. Oh, oh, gentil marin, si tu as peur, je te tends la main. Oh, oh, les matelots, voguons ensemble au fil de l'eau. Oh, oh, les matelots, tous en bateau pour Distro. C'est une bande d'optimistes, de Brest et de Douarnenez, qui sillonnent de mai à juillet, dans la baie au gré des marées. Et ils emmènent à leur bord des tas de gens du sud du nord qui barrent tous, bâbord, tribord, à la recherche d'un trésor. Oh, oh, joli marin, au bastingage, accroche-toi bien. Oh, oh, gentil marin, si tu as peur, je te tends la main. Oh, oh, les matelots, vaguons ensemble au fil de l'eau. Oh, oh, les matelots, tous en bateau pour Distro. Thank you.
Cette chanson, si tu l'aimes bien, entonne avec moi ce refrain. Tu pourras ainsi faire voyager le message que je t'ai concocté. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Personne n'est différent, on suit tous le sens du vent. Accroche-toi bien, oh oh, gentil marin. Si tu as peur, je te tends la main. Oh oh, les matelots, voguons ensemble au fil de l'eau. Oh oh, les matelots, tous en bateau pour distraire. Là, on y est d'entrée, hein? Oui, ah oui. Moi, j'aime bien l'accordéon. Ah. J'aime bien l'accordéon. Alors. On a déjà des messages, hein? Vous êtes en Bretagne déjà. Hein? Voilà, on vous a emmené chez nous. Ah oui, ça. Avec cette chaleur, ce titre apporte un peu de fraîcheur. Ça, c'est vrai que. Voilà, ça, c'est Nati et Annick qui nous fait des bisous à tous et qui écoutent via Internet. On leur fait des gros bisous. Merci d'écouter. Voilà, on va dire hein, que le Facebook est ouvert. Vous inquiétez pas. Oui. Vous pouvez envoyer tous vos messages, vos petits commentaires et on le donnera, bien sûr, en direct tout au long de l'émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h. Alors Lisanne, nous on te connaît, puisqu'on t'avait déjà accueilli dans les studios de Radio D'Artagnan. Il y a combien ? Il y a 2 ans déjà. Oui, sur l'album, si je ne me dis pas de bêtises, Ne dis plus jamais. Ouais. Et le single Bienvenue en Finistère. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, et nous on aime bien après suivre nos nouveaux talents, tu Mais le sais. Oui, et oui, quand il oui, y a oui. des nouveautés, hop, on revient. Alors, tu vas te présenter un petit peu à nos nouveaux auditeurs et auditrices. Bon, on a parlé de la Bretagne, donc on se doute bien que tu viens de... Bretagne. Gagné. Super, j'ai gagné. Alors d'où de la Bretagne? Quimper dans le Finistère. Ah, on connaît, oui. Voilà. Quand même, je dis la ville la plus proche de chez nous parce que chez nous c'est perdu un peu dans la Cambrousse et tant mieux. Oui. Oui, parce que comme je fais bien à manger, que tout le monde le sait. Tout le monde pourrait se pointer. Bon, quand on viendra en Bretagne, tu nous rappelleras ton adresse, c'est surtout. Pas de problème. Alors Lisanne, c'est ton vrai nom? Oui. Tu veux voir ma carte d'identité? Ah non, non, non. Oh là 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 là. Non, non. C'est vrai que ça sonne bien, Lisanne. Oui, c'est chouette. Voilà. Hein. Ouais. On y a beaucoup travaillé. Alors en fait, il y a 12 ans, c'était pas ça, mais aujourd'hui, c'est ça. Officiellement, c'est vraiment mon prénom. Il y a 12 ans, c'était quoi? Ah, Non. Ça n'existe plus. Et tant mieux, d'ailleurs. Lisanne, oui, c'est vrai, on s'en souvient bien, ça sonne bien et ça va très bien en plus avec le style musical que tu as. D'accord, bon bah c'est super. Alors, garde tout ça. Bon, très bien. Alors, maintenant j'ai tout changé, permis et tout, et je vais tout recommencer. Hein. Ah non, en plus de ça, ça coûte cher. Donc, non plus la paperasse en France, bonjour. C'est vrai. S'il n'y avait que ça. Bon. Alors. Aussi. Oui. Quel genre de musique tu te classes dans quel genre de musique? Alors, comme, on a, comme il paraît que variété c'est un gros mot. Nous, on a inventé chanson pop and roll. D'accord. Comme ça, c'est populaire et ça roule. Ouais. Et c'est le cas, ça roule. Voilà. Alors, est-ce que tu es dans la musique depuis récemment ou depuis que tu es toute petite? Je suis tombée dedans, comme Obélix, avec la potion magique. Ouais. J'avais 6-7 ans quand j'ai commencé à chanter un peu. Solo? Bah oui, toute seule. Enfin, oui, toute seule. Mais après 14-15 ans, j'ai fait quelques karaokés et tout ça, parce que en Bretagne, c'est bien sympa, mais si tu fais pas de musique bretonne, il n'y a pas grand-chose d'autre. Oui, il paraît. Enfin, il faut faire du rock, du reggae, et ça, non, j'ai pas réussi non plus. Ouais. Mais je veux dire que si on habite en région parisienne, il y a plus de chances de trouver des scènes ouvertes, de trouver plein de petits cafés où se produire, des petites salles, une quarantaine de places, 50 places. Ouais. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on fait avec ce qu'on a et on va pas se plaindre. Et bah après, il y a 12 ans, j'ai rencontré Thierry qui, lui, m'a donné la possibilité d'aller sur scène. D'accord. Donc, tu fais que du style breton pour pouvoir tourner chez non, toi en Bretagne? Non, pas du tout. J'écrirais peut-être une chanson sur la Bretagne, puisqu'on a Bienvenue au Finistère, mais j'en écrirais peut-être une plus généraliste, parce que juste le Finistère, ça leur suffit pas. Quand tu vas dans le Morbihan, que tu dis Bienvenue au Finistère, ils te regardent avec des gros yeux, donc... D'accord. Ils sont chauvins en plus. Chacun son département. Bon, ouais. Je m'en sortirai jamais, moi. Si tu dois chanter tous les départements. Bienvenue en Morbihan, bienvenue en Côte d'Armor. Faites chier, mettez-vous d'accord. Bienvenue en Bretagne, voilà. Et dans le Gers, tu feras une chanson hein, après. Tu verras que je te fasse une chanson. Oui, voilà. Yeah. Donc on va faire le tour de France des chansons. Oui. T'as des départements, il en manque pas. Il y a de quoi faire. Hein. Oui, oui, oui. Ça va être bien. Mmh.
suis. Alors, en département, en gastronomie. Oui. Ah, ah bah oui. Ah, là, il y a de quoi faire, là. Ah, là. Mine de rien. Ouais. C'est vrai. Je commencerai par l'Auvergne et la Ligo. Voilà, non, on a de la chance, on travaille bien parce qu'on a plusieurs répertoires, on a nos compositions, on a tout un répertoire de reprises des années 30 à aujourd'hui. Ça permet d'avoir une belle ouverture sur la France et sur la Belgique. Donc on va pas se plaindre, on fait ce qu'on aime, c'est déjà bien. Alors la Belgique, c'est les frites. Hein. Si tu fais une chanson sur les frites. Avec gastronomie, c'est frites. Hein. D'accord. Okay, on prend des notes. Ouais. Vous êtes témoins. Bon, si tu fais déjà un grand tour de France plus la Belgique, ma foi, c'est... Il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est très bien. Ah oui. Que c'est très bien. Mais je sais que tu aimes bien te déplacer, toi. Nous, on adore ça, la route. On est un peu des fous furieux, mais on adore ça. Parce qu'en plus, bon, tu fais des scènes un petit peu partout et en plus, ça te permet de visiter, de voir d'autres coins. Et de rencontrer plein de gens de découvrir plein de belles choses, de s'amuser. Et en plus, on le fait en famille. Donc, tout à fait. Que demande le peuple, à part la paix. Ce sont un peu des vacances en même temps. Exactement. Et voilà, et y mêler un petit peu le travail dedans. Oui, parce qu'il ne faut pas trop de vacances. Moi, je ne sais pas m'arrêter. Mais, c'est-à-dire que pour avoir des vacances, il faut avoir des sous, donc il faut tourner aussi un petit peu. Aussi. Hein, parce que... C'est pas possible, c'est un cercle vicieux ce truc-là. Ouais, hein, bon, c'est ça. On va tourner en rond. Ce soir, je sais. Alors, Lisanne, est-ce qu'il y a des artistes dans ta famille ou tu es la seule à être là-dedans? J'ai mon parrain qui s'est fourvoyé, qui fait partie d'un groupe de Fesnoz, hein, donc qui fait de la musique de Bretagne depuis 20 ans. Alors qu'à la base, il aimait tout ce qui était Beatles, Black Sabbath et j'en passe, mais bon. D'accord. Pas tout à fait pareil. Non, je sais pas. En tout cas, je pense que je suis peut-être la seule de la famille à avoir ça à ce point-là dans les tripes et avoir envie d'en vivre et plus encore, quoi. Oui. Je pense que je suis la seule. Parce que j'ai un cousin qui joue de la guitare, qui chante super bien et tout, mais il n'a pas non plus accroché que ça, quoi. Tu as envie, justement, de la musique à l'heure actuelle? On en survit parce que c'est compliqué. Oui. C'est pas facile de monter un statut d'intermittent ou de se décider sur un statut micro-entreprise. Oui, enfin, oui. C'est pour ça, en France, c'est très compliqué au niveau administratif, tout ça, de monter des choses, c'est pas simple. Et après, d'expliquer aux gens ce qu'est un cachet d'artiste, leur dire qu'en fait, c'est 12 heures de travail au SMIC, c'est pas mirobolant, en fait, hein. Si t'expliques bien comment ça marche, c'est pas des milliers des cents au départ. Tout le monde s'appelle pas Johnny, il y a 200 et quelques mille euros la prestation. Il y a des conventions. Mmh. Oui, je sais pas, je le connais pas, donc je sais pas, mais je vais dire, on a aussi des conventions dans notre métier, des choses qu'on peut appliquer sans non plus être complètement farfelu. Oui. Mais c'est compliqué d'expliquer ça aux gens. C'est compliqué tout court d'être placé déjà, de trouver des scènes, d'être payé, d'être... Aujourd'hui, voilà. tu trouves pas un tourneur comme ça. Tu tournes plus, ouais. En plus, si tu peux avoir le tourneur, mais lui, il est content si t'as une boîte de distribution ou alors si t'as un producteur. Enfin, c'est pareil, c'est toujours un cercle. Oui, il faut être signé, il faut... voilà. Bon, je te l'ai dit qu'on allait tourner en rond ce soir. C'est fou ça, hein. On change de place, comme ça fait chacun. Elle tourne toute seule, la table, on peut tourner. Allez, premier tour. Alors, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré à toi, Lisanne? J'ai toujours un petit faible pour Piaf et pour Brel, de par leur univers. Après, sur les artistes un peu plus d'aujourd'hui, j'irais... Bon, Céline Dion, ça c'est une certitude. Claude François, depuis toute petite, Sheila, dont j'ai fait deux reprises sur l'album Nouvelle Ère qui est sorti donc en 2015, Comme toi et Emmenez-moi, ces deux chansons de Sheila. Mais je l'aime beaucoup dans les années 90, en fait, au moment de l'album, le Tam Tam du Vent, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et elle a une autre chanson magnifique qui s'appelle L'écuyère. Faudra aller écouter. D'accord. Voilà. Et sinon, que j'aime beaucoup, notamment par sa prestance scénique, c'est Calogero. Voilà. Oui. Tout va bien. Je suis allée le voir deux fois au Zénith et en fait, je pense que le gars, s'il m'avait vu au fond de la salle, il aurait dit ça là, elle est pas nette parce que en fait, j'étais en analyse de ce qu'il faisait. D'accord. Je regardais les musiciens, je regardais le jeu de scène, j'étais comme si j'étais à un cours entre guillemets. Parce que pour pouvoir apprendre son métier, il faut aussi voir ce que les grands font. Mmh. Et le meilleur moyen, c'est d'aller dans des belles salles de spectacle, bien sonorisées, avec des bonnes lumières et tout ça, pour pouvoir, nous aussi, apprendre les choses. Donc si le gars, il m'avait vu, il dit, c'est là, elle est pas nette, et elle analyse tout ce que je fais. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que Calogero a sorti son dernier album excellent. Oui. Ah, les feux d'artifice, magnifique. Ouais, il n'y a aucune chanson achetée dessus. Avec le portrait. Alors là... Ouais. C'est de l'excellence, je dirais. Parce que Calogero, j'aimais bien son départ en apesanteur. Dans les charts, et même avant les charts. Voilà. Les charts. Oui. Après, j'ai moins accroché à ce qu'il a fait. Mais alors, le dernier album, là, il est revenu au top du top. Hein. C'est vrai. Excellent. Ouais, ouais.
Bon, tu as bon goût, hein, parce que Calogero, voilà, on aime bien. Et Céline Dion. Alors, bon, et dans un autre registre, au mois de novembre, on ira revoir Jean-Michel Jarre. Parce que voilà, le problème entre guillemets qu'on a Thierry et moi pour choisir un style, c'est que moi je viens de la chanson française à texte et lui il vient des années 80. Les claviers, les premiers sons synthés, tout ça. Enfin, ça, c'est il a appris l'accordéon quand il avait 6 ans, donc ça, c'est dans ses tripes, il n'y a pas de souci. Oui. Mais il a aussi basculé dans les années 80 avec tous ses sons, comme n'importe quel musicien, je pense, qui a envie d'explorer un petit peu tout ce que la technique fait. Et c'est pour ça qu'on a certaines chansons qui sont en électro, comme Il la trompe, par exemple, sur l'album Nouvelle Ère, et des chansons comme Paris sous la pluie sur le prochain album, qui est une valse. Et sans savoir qu'on va surfer sur ce qui va se passer, parce que nous, Claudio Capeo, par exemple, qui fait une valse un peu rap, on savait pas, nous, on travaille tous chacun dans notre coin, on se connaît pas. Donc, quand je me dis que sur le prochain album, on a une valse, on va nous dire, ouais, ils ont triché. Mais non, elle est sortie déjà depuis 2 ans, puisqu'elle est née dans un théâtre à Paris, cette chanson. C'est vrai que tu as raison, ça revient vachement à la mode, l'accordéon. Et Mio Sec sur l'album qui vient de sortir, c'est pareil, il a des valses, il a des tangos. La prochaine chanson qu'on a, qui s'appelle Le cœur tambour, c'est un tango. Donc je me dis que dans mes petites, je suis loin, mais je suis pas en dehors du jeu quand même. De toute façon, tu as déposé la chanson, on voit bien que c'est la tienne. Les ambiances, on voit que, ben, mine de rien, même si on n'est pas signé, même si on est quand même sur la vague de ce qui se fait. Tu suis sans l'actualité, surtout. Sans le vouloir. C'est vrai qu'il a raison, Titi, parce que les années 80, voilà, ça marche très bien. Même les jeunes, hein, on le voit. Oui. Dans les balles, on met les nouveautés, personne danse. Et dès que les années 80 se mettent en route, ça y est. Hop. On est en train de se dire, les années, on faisait 60-90, les années idéales. Ouais. C'est ça, exactement. En musique, en ambiance, en fringues, en coiffure, en plein de choses. Ouais. De 60 à 90, on a un panel de choses énormes. Pour l'ambiance, le côté populaire. Mm-hmm. Je parle pas, c'est évident qu'au niveau texte, au niveau de tout ça, peut-être qu'on n'était pas rive gauche. On y est un, d'accord. Mais on a besoin aussi de choses populaires, de choses qui réunissent les gens. Et sur le prochain album, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment des chansons légères, des chansons pour s'amuser. Parce que c'est important, surtout dans le contexte actuel, très difficile politiquement, géopolitiquement, financièrement. Et les gens ont besoin un peu de légèreté. Et bon, un homme debout, Claudio Capeo, il traite quand même des SDF et tout ça, mais sur un ton léger. Oui. Donc ça va rentrer dans la tête des gens. Je ne suis pas sûre que ça va marcher au niveau de la morale qu'il a envie de donner, mais ils vont être légers un petit peu. Oui, mais il va très bien marcher, ce chanteur. Oui, il vient. Oui, il va très, très bien. Il martyrise un peu son accordéon sur la chanson, sur sa photo. Là. Ouais. Si Thierry fait ça avec le chien, il est mort, mais bon. Ils ont peut-être pris un qui ne sert pas. Hein, parce que le soufflet... Juste pour faire la photo. Voilà, ouais, parce que le soufflet, à mon avis... Mais c'est vrai que l'accordéon dans les années 80, il y en avait pas mal avec Rocamadour, Blanchard, tout ça. C'est vrai qu'il y avait de super tubes avec l'accordéon, hein. C'est vrai. T'as raison, Titi. Mais même quand t'écoutes bien, il y a plein de samples d'accordéon sur des trucs que les jeunes écoutent, ils s'en rendent même pas compte. C'est ça. Oui. Il y a plein de choristes que t'entends, t'écoutes bien, tu dis mais ça c'est un accordéon. Ouais. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais t'as entièrement raison. Alors, t'es venu pour nous présenter 2 choses. Oui. Le vieil album, le prochain album. Vieil album, il n'est pas si vieux que ça, dis donc. 2015, c'est déjà loin. Hein. Ah, mais oui, mais bon, on dit un album, il faut 1 an et demi, 2 ans de promotion quand même. Bon, bah voilà, donc mais c'est bon, alors on est encore bien finalement. Finalement, on est bien. Donc, on va découvrir l'album qui est sorti début 2015. Voilà. Et puis... Et j'en ai emmené, donc si les auditeurs ont envie, ils pourront en gagner. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Ça va être simple, ils téléphonent à la radio et puis repartent avec. C'est chouette, ça. Ah. Même pas de questions, rien. Eh bien, alors, Arnaud, il n'y a plus qu'à dire le numéro de téléphone. Mais oui, il faut composer. Les... Il rigole. Mais non, mais c'est... Il faut composer le 05 62 69 06 66. J'ai cru que tu l'avais oublié, dis donc. Non, c'est parce que tu sais très bien que j'ai le mien aussi et je confonds toujours le 09 et 69. Bon. Mais on peut t'appeler aussi si tu veux, mais gagnons peut-être pas la même chose. On va éviter quand même. Allez, 05 62 69 06 66. Lisanne vous offre son album, alors profitez-en, vous appelez et vous gagnez l'album. C'est ça qui est bien. Ah bah premier qui appelle, boum. Boum. Même on les autres, hein, après. Oui. Alors, cet album donc, est sorti début 2015. Il s'appelle comment, cet album? Il s'appelle Nouvelle Ère. Nouvelle Ère. Voilà. Il y a combien de chansons dedans? 14. Tout composé et écrit 3 reprises seulement. D'accord. Une deuxième, parce que sur Bienvenue en Finistère, il y avait Elle et d'ailleurs, de Pierre Bachelet. Là, on s'est amusé sur 20 ans.
Ouais. Voilà. C'est bien. J'aime beaucoup, tu le sais d'ailleurs. La chanson, elle est d'ailleurs. Et ben là, on s'est amusé sur 20 ans. Une version un petit peu bossa, moins rock que Pierre Bachelet, pour insister plus sur le texte, parce que c'était vraiment un texte avec du sens. Et donc, deux chansons de Sheila, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, pourtant, je suis fan de Sheila. J'étais très fan de Sheila. Ouais. Voilà, j'avais tous ses disques. T'avais les mêmes couettes aussi. Oui. J'étais très fan de Sheila. Mais non, mais super. Et je connais pas les chansons que tu as dit. Tu vois. Si tu voyais les rêves que je fais la nuit, je passe des heures à dessiner ma vie, comme les gens dans les autocars. On s'en va, au revoir. Je veux quitter l'Arizona, boire de l'eau du Niagara. La suite sur le disque. Ouais. Tu vois, ouais. Ah, elles sont jolies. Ouais. Et c'est sur l'album Le Tam Tam du Vent, donc elle a dû sortir ça peut-être 89, 90, quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que les gens identifient toujours chez là les Romages. Oui. Ouais. Oui. Mais elle n'a pas fait que ça. Mais non. Bon, j'ai eu la chance l'été dernier, je lui ai remis en main propre. Wow. C'est vrai? Ouais. Et bah, il y avait plein de monde, donc c'était pas simple. Et puis elle sortait de concert, donc ouais. Puis c'est jamais évident. Et d'ailleurs, moi j'ai été vachement choquée. Et je comprends pourquoi il y a des artistes qui veulent pas que les gens les approchent. Les gens, ils ont fait la queue pour les dédicaces. Oui. Et t'en avais qui l'attrapaient carrément pour l'embrasser et tout, sans même lui laisser le temps de décider si elle voulait qu'on la prenne dans les bras. C'est fou, hein. Et du coup, c'est une femme, elle a quel âge maintenant? 63 ans, 64, je ne sais pas quel âge elle a, mais bon, elle est plus toute jeune. Voire plus, hein. Oui, voilà. C'est ça. Parce que je crois qu'elle est née en 46. Ouais, donc l'âge de mon père, 66, 67. Quoi. 70. Voilà, donc. Et ça m'a vachement choquée. Je me dis, mais il faut la laisser respirer. D'elle-même, elle peut décider elle-même de faire la bise et tout, mais il faut laisser le temps, quoi. C'est d'accord, c'est une vedette, mais bon. Et du coup, moi, j'étais tranquillement avec mon petit CD dans mon coin. Et l'agent de sécurité me dit, vas-y, tu peux approcher, parce que je n'osais pas trop. Et je lui dis, ben, je me suis permise de faire deux reprises de vous. Et je lui dis, comme toi, emmenez-moi. Puis elle me regarde, elle me prend dans ses bras, elle me fait la bise, elle me dit, elles sont bonnes, ces chansons-là. Voilà, ça m'a suffi, moi. Oui, mais bon, peut-être qu'elle va prendre le temps d'écouter peut-être. Et de te recontacter. Peut-être. Qui sait? C'est vrai que j'aimerais bien. Ouais. Sincèrement, j'aimerais bien. Parce que je pense qu'elle est humaine, quand même, Sheila. Hein, voilà. Elle fait partie de la génération des gens qui sont encore un peu humains, ouais. Oui. Oui, encore un peu humains. On en parlera après de la génération de maintenant. Mon Dieu. Bon. Alors, cet album, il est sorti début 2015. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'interpelle. Ah! J'ai un petit message. Oui. C'est pas moi qui vais le dire. Ah. Oula, allô? Ah, non. Ça a coupé. Ah, oui. Ça a coupé. Bon, non, mais le message, je vais essayer de le vouloir avoir. Ça marche. C'est une dame qui a gagné le CD et qui voudrait passer un message. Ah, mais tout à fait. Mais ça, vous pouvez. Hein, voilà, appelez, vous gagnez le CD. Et en plus, vous pouvez parler avec Lisanne. Ça lui fera totalement plaisir de discuter avec vous. Alors, tu vois, nous, on a des auditrices, elles sont très bien parce qu'elles travaillent pour nous. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, on te confirme, Sheila a 71 ans. 71 ans, la vache. Voilà. Eh ben, je peux te dire que comme elle bouge sur scène, punaise. Ouais, c'est Et c'est encore un phénomène, dis donc. Oui, une showgirl. Et puis elle est quand on l'approche de près, elle est encore très jolie. Oui. Pour 71 ans, elle a toujours été jolie. Sheila. Mais non. Et non. Ah ouais. Et je l'ai vue très près. Et non. D'accord. Justement. C'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment jolie parce que s'ils ont fait un lifting, ils ont super bien réussi parce qu'elle est vraiment belle. Moi, je trouve qu'elle est belle. Elle a toujours, moi, je trouvais toujours un joli corps, oui. Une jolie femme. Hein? C'est clair. C'est clair. Je disais donc, avant qu'on soit interrompu encore, je ne sais pas si... Bon. Tu as sorti donc un album début 2015 et oui. Tu as dit, parce que je retiens ce qu'on dit, un prochain album. Oui. Et quand? En mars 2017. C'est bientôt. Voilà. Alors cet album, comment... Donc, je vais peut-être attendre le mois de mai pour les élections. Votez pour moi. Ça sera passé au mois de mai, les élections. Ça sera passé. Non, on fait avant. Ouais. Mars 2017. C'est là les élections, hein, c'est en mars. Ah bon? Normalement. Hein. Le 21, le jour du printemps? Allez, faites pas, trichez pas, hein. Les gars, ça suffit. Moi d'abord, non mais vous. C'est plus intéressant d'acheter un album que de tout ça. Alors cet album va sortir donc en mars 2017. Comment tu fais
D'ailleurs, pour tous tes albums, est-ce que tu passes par un site participatif ou c'est toi qui finances tout ça? Alors, pour Nouvelle Ère, on est passé par, je ne sais plus quel site participatif, j'ai oublié, je n'ai pas de tête, mais ce n'est pas grave. On a toujours fait ça. En fait, le premier album en 2008, c'était une souscription volontaire, comme font beaucoup de chorales, de chants de marins, autre chose comme ça. Ouais. Les gens l'achètent en pré-vente et c'est comme ça qu'on le finance. Oui. Donc, on l'a fait depuis le départ. C'est toujours les gens, les fans, les fans, amis, oui, qui nous ont soutenus. Oui. Donc là, on refait pareil sous forme de souscription. Mais directement à la maison, on passe pas par les plateformes parce que elles prennent entre 10 et 25% et c'est déjà compliqué de réunir une somme. C'est bien pour des choses des de grosses, très grande ampleur, voilà, des grosses structures. Mais oui, si on est sur 1000, 2000, 3000 tirages, vaut mieux faire autrement. Par contre, dans le financement, on intégrera peut-être le fait que nous, on va rentrer dans une éventuellement une boîte de production, éventuellement. Parce que là, j'ai une agence que je dois contacter sur Paris qui propose des choses vraiment bien. Sachant qu'il ne faut pas se leurrer, on est comme une entreprise. Donc on doit aussi nous acheter de la communication, on doit aussi nous acheter parfois des dossiers de presse. Un attaché de presse, ça se paye. Un manager, ça se paye. Oui. Tout ça, c'est du travail. Donc il y a plein d'artistes qui penseraient que c'est à nous d'attendre que ça tombe. Mais en vérité, c'est à nous d'aller chercher la possibilité d'eux. Donc là, j'ai une agence sur Paris qui me plaît bien. On a la brochure d'ailleurs dans le camion. Je vais les contacter, on va prendre rendez-vous. On ira peut-être même directement les voir, voir ce que ça donne. Mais il y a distribution digitale, distribution en physique. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et ils financent l'album? Non. On est producteur. Et c'est d'accord. Mieux. C'est mieux d'être producteur. Bon. Oui. T'as la main sur tout. Voilà. Parce que autrement, c'est eux qui produisent l'album, qui financent, qui te le placent un petit peu partout. Et voilà. Mais oui. C'est une protection, hein, finalement, d'être son propre producteur. Bah, je pense, oui. Après, moi, j'ai fait en mois de décembre une formation de manager. Donc, je sais exactement comment est-ce que doit être managé un artiste. Parce que pour que quelqu'un s'intéresse à nous, c'est bien de savoir aussi, nous, ce que doit faire l'autre en face. Il n'y a aucune obligation de résultat, parce qu'il ne peut pas garantir ça. Par contre, il y a une obligation de travail. Oui. On doit prouver qu'on va chercher les dates, qu'on fait la promotion et tout ça. Mais par contre, tu ne peux pas le taxer, entre guillemets, s'il n'a pas fait son travail, dans le sens qu'il ne peut pas tout te décrocher. Oui. Et c'est mieux de travailler en équipe. Nous, on a de la chance autour de nous, on a toute une équipe de bénévoles et d'amis qui ont dit, bah, tiens, nous, on va passer un peu de temps, une heure par-ci, deux heures par-là, une semaine, enfin, pour nous aider. C'est ça qui fait qu'on grandit au fur et à mesure. C'est tout un travail d'équipe. Et ensuite, vient aussi le soutien de différentes radios FM sur différentes régions. Et ça, c'est important. C'est vraiment important, très important. Voilà, parce que il faut être écouté pour que les gens puissent acheter ton album et te demander après sur scène aussi. Bien sûr. Voilà. Puis je privilégie comme beaucoup les vraies rencontres. Mmh. Nous, on n'a pas peur de se déplacer parce que c'est mieux d'aller en face à face avec les gens, d'aller montrer ce qu'on sait faire. Comme ça, c'est plus facile pour vous de savoir s'il y a un potentiel ou non. Oui. Voilà. C'est tout. Alors, je pense qu'Arnaud. Oui, on a une auditrice. À l'antenne. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle pour vous féliciter de tout ce que vous faites, de tous vos projets que vous avez. Merci, c'est gentil. C'est Mamie Henriette Déose qui écoute sur votre radio en permanence, 24h/24. Ça, c'est vrai. Fidèle auditrice. Oui. 24h/24 et vous dormez pas? Ah non, oui. Je dors sur une oreille et j'écoute de l'autre. Et elle se déplace aussi pour venir voir nos nouveaux talents, Henriette. C'est chouette. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime bien sur les jeunes qui se motivent et qui veulent faire quelque chose de beau et de bien. Ah bah c'est gentil, merci. Voilà. Mais je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance. On y travaille. Hein? On y travaille. Et je vous ai écouté, je vous ai écouté. C'est pour ça que je me suis permis d'écouter et d'appeler votre radio. Et puis voilà, je suis bien contente d'avoir gagné votre disque. Et comme ça, je pourrai vous écouter. Quand il fera mauvais cet hiver, je pourrai vous écouter. Ça marche. Voilà. Ou quand il fait très chaud aussi, oui, Henriette, aussi. Vous pouvez mettre l'album et rester au frais, surtout dedans, hein, surtout ces temps-ci, parce que là... c'est vrai. Ce sont les grosses chaleurs, là, c'est vrai. C'est les grosses, mais bon, il faut se ménager, mais il faut faire attention quand même. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci. Alors, Henriette, on va vous envoyer donc l'album, et puis Lisanne va vous le dédicacer. Oui. Voilà, avant d'accord, de vous l'envoyer. C'est gentil, Lisa, et qu'elle continue sur cette voie. Merci. Merci beaucoup, Henriette. À bientôt. C'est des jeunes. Bonsoir, au revoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, vous pouvez faire comme Henriette. Hein, vous pouvez appeler. Si vous appelez déjà, vous gagnez l'album de Lisanne.
Et en plus, c'est bien, voilà, on peut parler oui. avec la chanteuse. Moi, je trouve que c'est bien. Mais oui, c'est bien. Ça fait humble et ça fait... Voilà, moi, c'est surtout que nous, sans le public, à quoi on sert. Et voilà. ouais. Enfin, je veux dire, moi, je chante dans ma salle de bain, ça lui fait plaisir, mon carrelage, mais c'est plus chouette quand même c'est d'aller pareil, face au public. Et le public, quel qu'il soit un public dans un camping ou que ce soit un public sur une grande scène, il a droit à exactement la même chose. Nous, on est des faiseurs de bonheur. Et on est là pour faire sourire, pour faire danser, parfois pour faire pleurer, parce qu'on va titiller un peu l'émotion sur les certains sujets. Mais voilà. Et moi, ce qui m'anime notamment, c'est ça. Et aussi me servir de ma voix pour continuer à récolter des fonds contre la maladie d'Alzheimer, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a déjà donné en tout et pour tout 1 900 € à France Alzheimer, donc 85 et 29, donc Vendée, Finistère. Et maintenant, on est avec une association de Paris qui s'appelle l'ECMA. Que j'ai trouvé plus à ma hauteur dans la façon d'être au niveau humain, au niveau tout ça. C'est une plus petite association avec un but un peu différent dans le sens que eux, ils financent les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants en médecine, on leur propose des bourses donc sur différents pays européens pour éventuellement aller chercher pour des choses sur la maladie sur d'Alzheimer. Cette maladie. Donc le but de l'ECMA, c'est vraiment de réunir des fonds pour pouvoir donner des bourses à ces étudiants-là pour qu'ils puissent se concentrer sur la maladie d'Alzheimer et apparentée. Et le contact que j'ai eu avec Catherine, une des responsables, m'a vraiment donné envie de continuer. Parce qu'elle m'a dit une chose, et que France Alzheimer n'avait pas fait. Elle me dit, peu importe la somme que tu nous donneras, parce que l'important, c'est le message que tu fais passer. Tu parles de la maladie, tu sensibilises à travers ce que tu fais. Et du coup, je me suis dit, ben oui, comme c'est dur de récolter des fonds aujourd'hui, l'argent, c'est très compliqué. Les gens, c'est dur pour eux d'en gagner. Donner 10 euros pour une place de concert, c'est jamais évident. Même s'ils se disent que derrière, il y a de l'argent pour la recherche, c'est pas facile. Sur des gens qui gagnent un SMIC ou un RSA ou je ne sais quoi, c'est très compliqué. Et du coup, elle m'a rassurée parce que moi, je me dis, si on n'arrive pas à réunir des sous, ça sert à rien dans un sens. Et qu'elle me dise ça, je me dis, bah si, finalement, on a l'affiche avec nous, on a les flyers, on parle de la maladie et du coup, alors ça m'a réconciliée avec le fait qu'il faut que je continue. Et tu le dis, tu le chantes aussi. Oui. Voilà, parce qu'il y a une chanson. Sur l'album Nouvelle Ère, Où es-tu, qui traite de la maladie, et sur l'album Mémoire, sur l'album 2017, c'est pas comment il s'appelle, il y aura une chanson qui s'appelle Mémoire, qui sera dédiée à l'ECMA. Voilà. Donc voilà, les paroles arrivent quand même droit au cœur des personnes aussi. Hein. Voilà, parce qu'on t'écoute. Sur Où es-tu, c'est simple, je prends l'histoire d'un couple. C'est une dame, enfin moi je me suis mis dans la peau d'une dame, puisque je suis une dame, qui fait la cuisine, enfin qui sait faire, et qui regarde son mari qui est à table avec son assiette devant lui et le regarde dans le vide avec le corps qui est là, mais l'esprit qui n'est plus. Et j'ai pris une scène du quotidien, mais ça fait drôle, quand je dis ce soir dans la cuisine, les gens ils disent qu'est-ce qu'elle raconte ? Ben oui, mais regarde bien, projette-toi. Ouais. Et ben oui, au final, ouais, c'est exactement ça. Il ne reconnaît pas, il est dans son monde. Et, Après, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais tu vas être la chanteuse pour Alzheimer, machin. Alors ça ne me dérange pas. Les enfoirés défendent bien les Restos du Cœur, l'étiquette ne les dérange pas. Mais il n'y a pas que ça. Mais moi, ça me. Au contraire, si on peut servir à quelque chose, au-delà, j'ai plus envie de faire de politique. J'en ai fait, ça m'a gonflé. C'est la manière dont les gens sont, ça me saoule au plus haut point. Et puis ça avance pas. Non, c'est simple. Quand tu rentres dans un parti, c'est bien simple. T'as une élection et t'as à peine fini l'élection, t'es déjà en train de penser à l'autre élection, à savoir où tu seras sur la liste de l'autre élection et avec qui tu vas t'allier et machin et ceci. C'est ça. En attendant, les gens ils crèvent la gueule ouverte et toi tu fais rien. C'est ça. Plutôt que de penser aux gens et à la France. Voilà. Exactement. Et je me suis pris la tête plus d'une fois avec eux parce qu'en plus ils sont tous entre 60 et 90 ans, hein, j'ai rien contre, ça me dérange pas, mais le monde d'aujourd'hui n'est plus le leur. C'est ça. Le monde du travail, la manière dont on pense le travail, la manière dont on pense la société n'est plus du tout la même chose. Je vais pas rentrer là-dedans, ça sert à rien, c'est pas le but, mais c'est pour ça que nous, je veux quand même être actrice de la société, et la maladie d'Alzheimer, on m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que la mémoire, c'est vital pour les artistes. Si demain Thierry démarre une chanson, et qu'il la démarre et puis que je reste comme un... Oui, qu'il oublie... Que moi, je ne sais pas ce qu'il joue. Oui, tout à fait, oui. Il joue et puis je dis, mais qu'est-ce qu'il joue ? Plus les paroles, plus rien. Je veux chanter, mais qu'est-ce qu'il joue, là ? Donc c'est pour ça la relation entre la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça, c'est recherché. Alors, tu as un petit message. Le futur album pourrait s'appeler Mémoire. Pourrait ? Oui. Julie ? Non, c'est Nati. Ah ! De Paris. Oui, mais alors, je veux bien qu'il s'appelle Mémoire, mais à condition que la chanson vous fasse pas trop pleurer, parce que déjà, Où es-tu, c'était pas mal, mais sur Mémoire, je vous ai... Oh, Nati, surtout qu'elle est émotionnelle, hein. Voilà, elle pleure facilement, Nati. Hein.
Oui. Voilà, elle te dit, voilà, le futur album pourrait s'appeler Mémoire. Je prends note, mais vous me direz, on vous laissera peut-être le choix d'ailleurs. On vous proposera peut-être 2-3 titres. Donc, je suppose que tu vas lancer, proposer 2-3 titres, tu vas lancer ça sur Internet pour que les gens donc, donnent un petit financement directement chez toi. Voilà, on mettra sur le site une page dédiée. Oui. Pour la souscription, enfin la pré-vente en fait, l'achat avant qu'il soit fait du CD. J'ai déjà des amis qui ont déjà soutenu et qui ont même envie de re-soutenir encore. Enfin, je sais pas comment les arrêter, mais bon, on va leur dire quand merci. Quand ils sont fidèles, les fans, ils sont fidèles jusqu'au bout, hein, ça tu remarques. Hein, c'est... Ça c'est un vrai bonheur. Oui, oui. Mais mine de rien, c'est aussi un moteur pour nous. Tout à fait, parce que tu sais que t'as des fans fidèles. Voilà, s'ils t'ont suivi dès le départ et qu'ils te suivent encore, ils te suivront jusqu'au bout. Ouais. C'est sûr. C'est impressionnant. Hein, et c'est... Des fois, c'est un peu gênant, je me dis mince. Ne pleure pas, hein, Non, mais quand on a eu l'épisode du clavier volé à la fête de l'Huma ou l'épisode de la tornade où on a eu le clavier inondé, les gens ils se sont mobilisés. C'est fou qu'on recevait des chèques par la poste, des mots de soutien, des cartes, des places de cirque parce que les gens ils n'avaient pas beaucoup de sous, ils savent que j'ai des enfants. Des enfants et nous, on ne peut pas, mais on vous offre des places de cirque. Enfin, c'est chouette. C'est ce que tu amènes, hein. Voilà, quand on te voit, t'amènes la solidarité, voilà, la gentillesse, toujours le sourire, que ça aille ou que ça aille pas, t'as toujours le sourire, donc forcément les gens ils voient, hein, tout ça. C'est vrai. Il y a pas photo. Donc je suppose que tu le mettras sur le site internet et via Facebook. Voilà, sur la page Lisanne, la page officielle entre guillemets, oui. Alors Lisanne, c'est LYZ apostrophe AN. Voilà. Vous tapez ça, vous y allez directement. Tu tiendras au courant, bien sûr, tout le monde. Donc, s'ils veulent le financer, il y aura l'adresse, tout, où il faut envoyer, pour que cet album puisse sortir en mars 2017. Voilà. Et si tout se passe bien, en octobre, il faudra suivre ce qu'on appelle la semaine bleue. C'est la semaine pour les anciens. Normalement, à ce moment-là, devrait sortir Mémoire, la chanson. Octobre 2016. Ouais. Un avant-goût. Ouais. Tu nous l'enverras, hein? Oui, bon, dès qu'elle est prête. Bon. Alors, dans cet album, tu vas te le produire toi-même, tu as dit... Grâce aux gens. Voilà, c'est le financement en pré-vente qui va le financer. L'enregistrer, où est-ce que tu l'enregistres? Je n'ai pas encore décidé, parce que soit on retourne avec Hubert, qui a travaillé, donc est notre guitariste, qui a travaillé sur Nouvelle Ère, soit différemment. Enfin, je ne sais pas trop. Toutes les chansons sont prêtes, je suppose. Pas tout non plus, non. J'ai plein de petits bouts de texte un peu partout là qu'il faut que je me... Là, il faudra que je me pose pour les travailler. C'est peut-être le seul moment où je me pose vraiment, c'est quand on travaille la musique. C'est voilà, là ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures. Des fois, il en a ras-le-bol, le pauvre Thierry. Parce qu'une fois que je suis lancée... Il faut que tu finisses. J'aime tellement ça que... Fiou. Il faut que ça à fond. Ah, puis on le dit quand on a l'inspiration, il faut vite le mettre par écrit. Des fois, je leur dis, vous n'avez pas une feuille? On est des fois en plein concert et dans les campings, tout. Il faut une feuille. J'ai une phrase qui m'est passée, tu vois, je l'écrive. Sinon, il y en a passée, beaucoup comme ça. Il y en a, ils se réveillent en pleine nuit même. Ça t'arrive? Oui. Bon, voilà. Et il faut mettre sur la table de chevet un crayon et bloc-notes et allez. Hop. Ou alors je leur dis, genre, tu retiens cette phrase. L'autre jour, je lui ai dit, retiens souffle de Bretagne, il faut que tu retiennes pour moi. Je le note cette fois-ci, comme ça, tu pourras oublier. Alors, ça y est, souffle de Bretagne. Tu peux vider ça, hein, tu casses pas la tête. Voilà, c'est noté. Tu oublieras pas le papier, hein, par contre. Non. Là, je tranquille. Bon. C'est vrai. Reste sage là. Allez, donc cet album, il sera donc en sortie en mars 2017. Ça sera le 4/5e. Le combien? Alors ce sera le... Comment te dire? Mon océan. Ne dis plus jamais. Nouvelle ère, 5e. Et 2 singles. Voilà, 5e album et 2 singles. Ouais, le premier single, il n'y a presque personne qui l'a parce que ça a été tiré à 100-150 exemplaires. C'est les plus privilégiés qui l'ont. Et c'était les premières chansons signées par Renaud Détressant, l'auteur-compositeur de Soldat Louis, avec qui on a travaillé sur l'album complet après, comment te dire? Eh bien, comment te dire? Nous, on va te demander une autre chanson. Ah oui? Et alors, pourquoi pas une inédite? Ah bah, si tu veux. Enfin, je ne sais pas ce que tu as prévu. Hein. On peut. Enfin, Paris sous la pluie est déjà sorti en clip et tout, mais c'est une du prochain album. Allez.
On peut donc partir à Paris. On peut partir à Paris sous la pluie. C'est vrai que c'est fréquent en plus. pourquoi justement Paris sous la pluie? Parce que chaque fois que tu y vas, il pleut à Paris? Non, ou... c'est un pied de nez, c'est un clin d'œil. C'est parce qu'en fait, la speakerine de la météo m'énerve à cacher la Bretagne, à dire toujours qu'il pleut chez nous. En même temps, elle a raison. Voilà, en même temps, elle a un petit peu raison, comme dit Jérôme. Oui, mais il n'est pas obligé de la cacher, la Bretagne, je rigole. Non, en fait, on est allé jouer, on a de la chance, il y a 2 ans, on est allé jouer dans un théâtre dans le 13e arrondissement. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la ville de Paris parce que j'aime l'architecture de la ville de Paris, j'aime la ville de Paris. Je sais, je suis folle, mais j'adore la ville de Paris. Parce que ça me fait voyager quand je vois ce qu'on a été capable de faire à différents siècles avec nos petites mains. C'est vrai. Mine de rien, quand tu vois l'architecture historique, oui. Même quand tu vas à Carcassonne, tu te dis, mais ils ont fait ça avec leurs mains. Oui. C'est immense. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a, nous. Nous, on fait une maison aujourd'hui, ça, presque, ça se casse la figure en 2 minutes. On ne fait pas si grand, en plus. On est incapable de refaire des monuments comme ça. Ben, à l'heure actuelle. Ben, oui, parce que le travail de la pierre, tout ça, on ne savait pas faire de la même manière. Et pourtant, Dieu sait qu'on a beaucoup plus de matériel qu'avant, mais et on est incapable de faire des monuments grandioses comme ça. Plus on a de matériel, plus on est feignant. Bon. Ça, c'est dit. Excusez-moi si j'en ai vexé quelques-uns. Non, non, non. Et nous, Titi, on n'a rien dans les mains. Donc, on va te laisser jouer de l'accordéon, si tu veux bien, et accompagner Lisanne. Paris sous la pluie. Lisanne, dans nos studios, nous, ce qu'on va dire avant, surtout, n'oubliez pas d'écrire. Oui, d'envoyer une question ou un message. C'est tout simple. Il y a via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou bien. Le téléphone au 05 62 69 06 66. Et en plus, il gagne un album, là. Oui. Si vous appelez, vous gagnez un album et vous pouvez discuter avec Lisanne. Oui. Ou par mail aussi, contact@radiodartagnan.com. Allez, on y va, c'est du live, c'est Lisanne, c'est sur Radio d'Artagnan. Paris sous la pluie, comme c'est tout gris, Paris sous la pluie. Quand je me balade à pied dans les rues, les statues de marbre m'accompagnent sans un bruit. Les silences sont si tendres que seule la pluie se laisse entendre. Que seule la pluie se laisse entendre. Place de l'Étoile, rue de Notre-Dame, mes jambes gambadent et mon sacré cœur s'enflamme. Je dévale les pentes monumentales de la butte Montmartre, de la butte Montmartre. Comme c'est joli, joli, Paris sous la pluie. Comme c'est tout gris, Paris sous la pluie. À la tour Eiffel, la hauteur me donne des airs. Je découvre le cœur de Babel et soudain me vient cette ritournelle. Comme c'est joli, joli, Paris sous la pluie, comme c'est tout gris, Paris sous la pluie. Vu sur les champs, Mars me rappelle que le printemps vient dans son temps, vient dans son temps. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Je me laisse bercer par son rythme dynamique, symphonique. Paris, Paris, ma jolie, même sous la pluie. Mes rêves ne sont pas gris, sont dans mes glories. Jolie, même sous la pluie, mais
Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Paris sous la pluie. C'est ça. J'ai quand même eu le culot d'aller leur chanter. Hein. Non mais tu as raison, parce que on nous dit à l'heure actuelle, on nous répond évidemment, quand on chante Paris sous la pluie, ils font les malins les Parisiens, alors que quand on y va, il pleut tout le temps, ils c'est le savent, mais bon, il fait beau à l'heure actuelle. Oui, oui. Non mais tu vas rire quand on a tourné le clip au mois de janvier. Faisait beau Oui. Ne le dis pas s'il te plaît. Le samedi, pas une goutte de pluie, alors Yvon qui est au Québec, qui nous a travaillé sur le clip, il a inventé de la fausse pluie. Mais le dimanche à Montmartre au Sacré-Cœur, on a eu de la pluie, donc on a réussi à s'en sortir. Mais j'avais pas l'air d'une conne. Je chantais sous la Paris tour Eiffel, sous la Paris sous la pluie. Et bien, ils sont cons, ceux-là, il fait beau. Qu'est-ce que c'est que ces Bretons qui ne comprennent rien? Mais non, on comprend rien, t'as bien raison. Puis alors, on s'est amusé parce que c'est tourné par des Belges, c'est chanté par des Bretons, et c'est le clip est monté par des Québécois. Moi, je te le dis. Ça tout ça à Paris. Tout ça à Paris. Très bien. Et. Du coup, j'ai bouffé la com, mais c'est pas grave, ça va revenir. Tu vois, il faut que je note. Hein, la mémoire chez moi, c'est vraiment un problème parfois. Mais bon, on s'est vraiment bien amusé à chanter ça. À Paris. Donc, oui, au réservoir à Paris, dans le 11e arrondissement. D'accord. Parce qu'en fait, on a fait le concours prix d'hommage à Jacques Brel. Oui. Donc, avec la chanson Amsterdam, on a donc été sélectionnés et on a gagné le prix du public avec Amsterdam et Paris sous la pluie. C'est bien. Ah ouais, c'est super ça, oui. À Paris. À Paris. Mais je les ai prévenus dans la salle. J'ai chanté Amsterdam au début. Et puis après, je leur ai dit, je vais vous narguer un peu parce que oui, je vous ai dit, je viens de Bretagne, mais je vais vous dire que chez vous aussi, il pleut. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais on a mis un beans pas possible dans la salle. Enfin, il y avait un public de fou, une ambiance de fou, et on s'est laissé porter. Enfin là, on était tous les trois, on avait Charlie le percussionniste avec nous, et un truc de fou, quoi. Je serais bien resté une heure, en fait. Mais on y retournera, il paraît. Oui. Allez, on fait râler notre petite auditrice de Paris, Nati. Oui, on sait bien qu'il fait beau. Voilà, donc pour la peine, elle aura l'album de Lisanne qu'elle veut bien. Et bien sûr, dédicacé. Nati. Avec ou sans pluie, parce que j'en ai pas en Bretagne. On va lui donner un petit sac de pluie en même temps. On lui donnera pour le concert de Radio D'Artagnan, puisqu'elle descend le 24 C'est septembre vrai. Pour le concert de Radio D'Artagnan. Yeah. Alors, dans tout ça, Lisanne, on voit donc Titi à l'accordéon. Et puis, tu as dit pianiste aussi, hein ? Percussionniste. Percussionniste. Mais c'est bien aussi pianiste, mais on n'en a pas trouvé. Ouais. Ah. Mais ça peut-être, hein, un jour. Ben oui, il faut faire un mais appel. Mais voilà, percussionniste. En fait, on a envie de travailler une formule sur certains concerts un petit peu différente. Et notamment le 26 novembre, quand on va aller à Quimper, donc au Novo Max. Oui. C'est une nouvelle petite salle qui est sympa comme tout. Oui. Qu'on a pris en 122 places, c'est volontaire. Parce que moi, les gens qui viennent à nos concerts, ils restent assis pour écouter. On saute pas partout, on fait pas du pogo en fait sur nos chansons. Mais je pense qu'on va essayer d'avoir un peu deux ambiances. Donc un peu électro, guitare, clavier. Et une ambiance acoustique, donc Hubert, notre guitariste, il est aussi contrebassiste. Et donc on va s'amuser accordéon, contrebasse, percussion sur certains morceaux où ça se prête vraiment à mettre une ambiance un peu rétro. Voilà. Et t'as parlé de guitare, qui sera la guitare? Ouais, Hubert peut faire guitare et contrebasse. Voilà. D'accord. Mais il peut même faire batterie, il peut même faire plein d'autres choses, mais enfin bon. Seul, il fait un groupe. À lui tout seul, il fait un groupe. Mais c'est ce qu'il fait aussi dans la vie sur ses concerts, puisque Hubert chante aussi. Il compose pas, par contre, il fait beaucoup de reprises. Mais avec son groupe Machine Roll, il est presque homme orchestre. D'accord. Donc, sur scène, ça peut donner, oui. Titi à l'accordéon et tout ça derrière, oui. Oui, l'acoustique et avec musicien. C'est bien. 122 ouais. places. Oui, 122 places. Voilà. Tu les auras. J'espère. Oui, oui. Avec une partie des fonds donc reversés à l'ECMA. Et la partie buvette sera tenue par les Nez Rouges, dont je suis marraine au niveau de la Bretagne, enfin au niveau de l'Orient. C'est eux qui tiendront la buvette, donc ce sera pour les enfants malades l'argent que vous mettrez dans vos canettes. Donc rien pour toi. Bah notre cachet normal de musicien. D'accord. Voilà. Quand même, oui. Parce que voilà, c'est passé par rien, hein, comme tu as dit d'être. C'est quand on explique. Chanteur, musicien. Voilà. La récolte de fonds, c'est les bénéfices qui sont reversés. Donc le personnel qui est embauché, s'il y a des techniciens, des choses comme ça, eux sont payés d'abord. Et oui. C'est et leur oui. travail, et donc il faut que les gens le comprennent. Et on oui. peut faire du bénévolat de temps en temps, aller faire de temps en temps des scènes parce que ça aide, mais il faut pas faire que ça. Parce que le jour où tu as envie d'être payé. Mais et on va te possible. Dire, bah attends. Oui, tu as les bénévolement là-bas. Et puis maintenant, voilà. Bon, voilà. Donc il faut toujours marcher sur des œufs, expliquer les choses clairement. Voilà, c'est pas simple, mais on va y arriver. Ce que tu fais à chaque fois.
Bah moi, je suis une grande bouche, de toute façon, donc... on peut expliquer clairement faut les choses aussi. Faut pas compter sur moi pour ne pas dire les choses. Je préfère dire les choses. Tant pis, on s'engueule une bonne fois, mais au moins, c'est dit. Oui. Et des fois, tu t'engueules qu'une fois parce que ça suffit. Parce que les gens ne reviennent pas après. Voilà, parce que c'est le monde actuel, hein. Oui, oui. C'est, tant pis pour eux, hein. Si, si tu dis la vérité ou que ça ne plaît pas... Nous, le bateau, voilà. Il avance, hein. Oui. C'est normal, hein. En Bretagne, il n'y a que ça, hein. Il y a beaucoup de bateaux. En dentelle. Il y en a qui restent sur place et aussi à Brest. Ah, des bateaux ? Oui. Oui. Alors, on a donc l'accordéon. Est-ce que tu as pris des cours d'accordéon ou c'est venu comme ça, Titi ? Non, non, j'ai pris des cours. Oui ? Ouais. J'ai pris 7 ans à peu près de cours. D'accord. J'étais petit, hein. C'est pas hier. Oui, oui, mais... non. De toute façon, on le voit, hein, que l'accordéon et toi, ça fait cœur. Hein, c'est ça. Moi, j'ai fait une école de musique. Oui. Voilà, quoi. Tu peux dire hein, avec qui tout ça oui. Avec Yvon Le Guen, il s'appelait le prof, qui oui. S'appelle toujours d'ailleurs. Oui. Ouais, qui a 84 ou 85 ans. Il est âgé. Ouais. Non, mais on voit qu'il manie l'accordéon comme qui rigole quoi. Yvon Le Guen, c'était un bon accordéoniste, il a travaillé sur Paris et tout ça, donc c'est quelqu'un de bien. Et ce monsieur-là, il est venu nous voir au mois de décembre en concert et il me dit mais. Qu'est-ce que vous avez évolué, qu'est-ce que vous avez bien travaillé et tout. Donc c'est chouette aussi d'avoir le regard des professionnels. Oui. Sans jugement, sans oui. Voilà, parce que c'est jamais évident de quand en face de toi tu fais un concours ou tout comme ça, on te dit ouais non c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ça fait mal. Mais quelqu'un qui est venu du même en disant bah dis donc qu'est-ce que t'as travaillé, ça voilà ça permet d'avancer. Oui, tout à fait. Je veux bien entendre des critiques, je suis capable d'entendre. Qui font avancer. Mais par meilleur que moi alors. Oui, déjà. Oui. On peut avoir des critiques qui font oui. Avancer. Ouais. Des constructives. Mais, voilà, constructives. Mais à condition que ça soit meilleur que moi. Oui. Que ça tourne plus que moi. Que ça chante mieux que moi. Parce qu'on peut en donner des conseils, mais enfin, déjà, prenez la justesse, après on en reparle. De Céline Dion, tu pourrais en recevoir quelques conseils. Ah, complètement. Alors là, conseils, oui, voilà. Alors je vais les boire là, sans problème, donc je vais m'en faire 2 heures. Tu les retiendras même pas tellement. Tu m'en fais tant que hein? Tu veux, il n'y a pas de souci. Je prends, pas de souci. Tu vas les prendre, mais tu vas tout oublier parce que tu vas être scotché complètement devant. Subjugué. Oui. Ça ne te dérange pas, on chante ensemble. Tu as pas un duo pour faire toutes les deux, non? Je connais la question piège tout à l'heure. Bon. Alors, Lisanne, tu écris. J'écris. Et tu composes. Comment fais-tu? Alors, j'écris ou je travaille avec d'autres auteurs. Et notamment oui. Sur le prochain album, il y aura une chanson, donc Le Cœur Tambour. C'est Frédéric Michel Niwarn à Quimper qui me l'a écrite. Je ne sais pas s'il y aura d'autres auteurs avec moi sur cet album, mais parce que ma main a déjà pas mal écrit. Oui. Et après, avec Thierry, je prends les textes et. Je chantonne des mélodies et il pose les accords sur ce que je chante. Ouais. D'accord. Ça se fait comme ça, une chanson Oui, des fois même vite, même des fois très vite, parce que Je suis France, qui sera un titre sur l'album, et Marco peut nous le dire, c'est un ami, il n'en revient pas, on était partis à une soirée, quand on est rentré, je dis faut que j'écrive et faut qu'on joue. Et c'était après les attentats du mois de novembre, et on a écrit, on a joué, on a composé. Et c'était mis sur internet dans l'heure, quoi. Parce que c'était venu comme ça et j'avais envie de le crier, j'avais envie de dire que la France, elle est riche de plein de choses, mais il faut la respecter aussi. Et en disant je suis France, je suis aussi humain, je suis aussi tout le monde entier. Mais on a des identités à respecter pour justement faire la richesse du monde. C'est la diversité qui fait qu'on est riche. Donc la France, elle a plein de belles choses et si on entre en France, on respecte la France. Point final. Oui, oui. Alors, on en est où du coup? C'est ça. Il ne faut pas y voir des propos racistes et des choses comme ça. Mon père a travaillé 30 ans en Afrique, donc je peux vous dire qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Je serai la première à tendre la main à n'importe quelle personne dite d'origine, entre guillemets, à condition qu'elle ait envie aussi que je lui tende cette main. C'est pas être raciste ou quoi que ce soit. Voilà, non. On a des lois en France. Si on veut vivre avec nous, comme tu dis, on les applique et puis point à la ligne. Quand voilà. On était en Irak avec mes parents, quand j'avais 3 ans, on était dans la tenue vestimentaire du pays. Tout à fait. Voilà. C'est tout. Si on veut être dans ce pays, on s'adapte aux lois. C'est quand même simple. Bien sûr. Puis ça n'enlèvera pas leur identité, leur croyance, leur envie d'être. Oui. Ça ne change rien à ce que nous sommes humains individuellement, mais on vit en société. Et à moins de vivre sur une île déserte où il n'y a vraiment personne de chez personne, pour pouvoir faire du vivre ensemble, il y a des règles morales à respecter.
Bon, ça c'est dit. Alors, tu écris, tu composes, Titi, du moins, prends l'accordéon, toi, tu chantes à côté, voilà. Ouais. C'est vite fait une chanson. Bon, celle-là, ce que tu dis au mois de novembre, elle a été vite faite. Autrement, tu mets combien de temps à peu près pour écrire une chanson? En fait, je crois qu'on a un côté Léo Ferré, hein, parce que ça arrive qu'on aille très vite, en fait. Ouais. Bah, c'est l'idée de l'instant. Et comme j'aime que le travail soit fait vite et bien, quand on travaille un morceau, on va jusqu'au bout. Ouais. Et si ça vient pas, eh ben on laisse tomber parce que ça viendra pas. C'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose dans le texte qui correspond pas ou voilà. C'est si ça vient pas d'un coup, c'est que tu les mets pas en attente. Tu te dis j'y reviendrai demain ou un autre jour ou très rarement. Ouais. Très rarement. J'ai des choses qui ont été commencées et qui ont été mises à la poubelle parce que ça n'avait pas plus d'intérêt que ça. Alors justement, je pense que tu fais comment? Tu t'inspires, tu viens de le dire un petit peu. De la vie quotidienne. Des faits réels. Oui. Voilà. Oui. Tu te dis aujourd'hui, j'ai vu ça, ça, il faut que j'en parle dans une chanson. Bah, il la trompe sur Nouvelle Ère, c'est un cas pratique. Il existe vraiment, le monsieur qui est dans la chanson. Voilà. C'est un monsieur qui a une double vie et moi, c'est quelque chose que je dénonce parce que je trouve ça dégueulasse d'être infidèle et surtout quand on a des enfants et tout ça. Et je l'ai écrit. Je lui ai même chanté en face d'ailleurs. Ça c'est dit. Avec sa femme à côté, non? Non. Ah bon, d'accord. Par respect pour elle, je ferme ma bouche. Mm. Mais c'est compliqué. D'accord. Bon, c'est quelqu'un sûrement un petit peu proche de toi, quand même. Plus hein. Maintenant. Bon, oui, ça, je me doute bien. Forcément. Non, parce qu'on m'a demandé de couvrir la chose et c'est quelque chose que moi je voudrais pas qu'on me fasse ça. Je voudrais pas que toute mon équipe soit au courant que Thierry a une double vie et que t'as les gens en face de toi, t'as tes mômes et tout et lui il t'emballe comme si de rien et puis il repart, il va. Non, là je peux pas quoi. Enfin, il y a des choses qu'on peut, mais ça je peux pas. Et si c'est décidé dans leur couple, dans le pourquoi pas. Mais a priori ça ne l'est pas. Et non. Ça, non, non, la trahison, c'est hors de question. Ça, c'est... Ah non, restez pas devant moi, parce que là, ça va faire mal. Titi, protège l'accordéon, surtout. On a cette chance. Ça fait 12 ans qu'on travaille tous les deux, 12 ans qu'on est tous les deux. Non, je... En plus, ça se voit. C'est... Ouais, bon, il n'y a pas photo. Alors, donc, l'écriture, c'est par des faits réels. Alors là, tu as la trahison. Tu veux écrire sur quoi? Bah, il y a quelque chose qui te turlupine dans la tête, Dans Nouvelle Ère, on a traité des mines antipersonnelles sur une chanson qui s'appelle Petit. Donc ça, c'est Philippe Charrier de Nantes qui a écrit la chanson. On a écrit Malaise avec Patrice Guérin qui traite justement des SDF, de la misère. Enfin, en fait, sur Nouvelle Ère, on a vraiment tapé sur tous les sujets qui font très mal. Et c'est pour ça que sur 2017... Actuel, du moins, les sujets en plus. Mais on sera plus léger sur 2017. Au moins, enfin, elles seront pas toutes sur des sujets qui font si mal parce que, comme les gens ont besoin de légèreté, si je continue à leur dire, au fait, les mecs, vous êtes à côté de la plaque, là. Puis, je fais un peu comme Renaud dans Hexagone, tu vois, je me mets pas dedans. Parce que, dans Hexagone, il cite tout le monde. Mais lui, il est pas français, lui. Hein. Ça me fait rire quand je la chante parce que je me dis, mais dis donc, toi, tu t'es oublié, voyou. Mais non, nous sommes tous concernés et nous pouvons tous changer déjà nous pour pouvoir faire changer le reste. C'est tout bête. Oui. Bon, c'est tout bête, oui, comme c'est vrai. Bah oui, par exemple, je sais pas moi, un truc tout bête, le compost. Si on veut pouvoir faire perdurer la nature, et on peut tous mettre ses déchets organiques dans un composteur. C'est pas compliqué. On peut récupérer l'eau de sa baignoire pour laver sa voiture. C'est pas compliqué. J'ai un ami qui a un théâtre où on va jouer là-bas le 29 janvier. Il a reçu un Canadien pour des stages de permaculture. Et le Canadien, il leur a dit, mais vous, les maudits Français, vous êtes les seuls à utiliser de l'eau potable pour laver vos bagnoles. Et là, le gars, il l'a regardé, c'est vrai, on est cons quand même, on paye la flotte pour laver nos bagnoles. Et pourtant, nous, en Bretagne, avec tout ce qui tombe, on a de quoi laver les voitures. Vous pouvez récupérer l'eau de pluie. Hein. Franchement. En fait, le changement de la société commence par plein de petits changements de soi. Mais alors, on va expliquer ça aux gens. Enfin, là, je suis en train de leur expliquer, remarquez. Nous, ici, on ne lave plus les voitures parce qu'on est interdit de prendre l'eau. Fait tellement beau que nous, c'est toujours sec. Hein. C'est sûr. J'en ramènerai la prochaine fois parce que j'ai mis des récupérateurs d'eau à la maison. Non, mais au moins pour ceux qui veulent laver leur voiture. Ah, d'accord, oui, j'ai la voiture. De toute façon, on ne lave pas les voitures quand il fait chaud comme ça, ça bousille la peinture. Ah oui, c'est pour ça, il faut les laisser. Tu as raison. Alors, dans ton prochain album, tu as parlé de légèreté. C'est-à-dire, ça va être des chansons un petit peu fictives où tu vas faire rire les gens Ah non, je ne sais pas faire ça, c'est vachement compliqué. Je m'en doutais un petit peu. Écrire des chansons comme Bourville et tout ça, franchement, c'est compliqué comme pas permis. La seule chanson qu'on a un peu rigolote, c'est Étonnamment toi sur l'album Ne dis plus jamais.
C'est la seule un peu rigolo. On la seule. Ouais. Où je me fiche de lui en fait. Ah, d'accord. Fiche de Titi. Ouais, c'est, une chanson, voilà. C'est une chanson d'amour où en fait je me fiche que de lui. Belle définition de l'amour. Mais c'est compliqué d'écrire du rire. C'est pas donné à tout le monde. Alors elles vont être légères, c'est-à-dire alors ces, bah, ces chansons. Sur des hein. sujets bah, comme Paris sous la pluie, tu vois. C'est joli. Oui, quoi. Où on rigolera quoi. Voilà. Enfin, hein, voilà où tu. D'accord. Voilà. Après, je dirais merci aux gens que j'aime pas. Ça, c'est une chanson qui va ressortir aussi, mais elle sera gentille. Ah, elle sera très légère, c'est vrai. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Oui, tranquille. Ce sera un peu comme je m'en balance, tu vois. Hein, tranquille, pas de problème. Bon, mais hâte d'avoir cet album. C'est ça, c'est ça. On va bien écouter avec le casque là, écouter bien toutes les paroles. Hein. Je te mettrai, si tu veux, les paroles sur un papier. Que d'accord. Bon, on a vu donc l'écriture, c'est toi, la composition, c'est toi, tu fredonnes et après Titi met en musique. Tu as fait des ateliers d'écriture pour justement t'aider à mettre tout ça Non, j'ai un bac littéraire. Ah ben oui, mais bon, voilà. Oui. Et je lis beaucoup. Oui. Voilà, je mange les livres, beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de revues, beaucoup de... Voilà, ça, c'est, la lecture, c'est quelque chose de très important pour moi et c'est presque tout le temps, donc voilà. Oui, parce que c'est pas évident d'écrire une chanson. Hein. Non. Et de pouvoir varier les mots, de oui. pas toujours réutiliser les mêmes, tout ça. Oui, oui. Donc j'ai un dictionnaire de synonymes à côté de moi. Enfin, mais oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Ah oui. Les radios, j'écoute aussi beaucoup de radios. J'aime bien les émissions où on parle des artistes, tout ça. Ça, c'est oui. quelque chose aussi qui m'aide à m'inspirer. Enfin voilà. D'accord. Tu écris uniquement en français ? Oui. Et pourquoi pas en breton ? Parce que j'ai pas appris. Ah ben voilà. Je suis franco-québécoise, n'oublie pas. Moi, j'ai été élevée au pancake, ce beurre de cacahuète. tu vas rire. Je vais faire une pub sans vouloir, mais enfin, bon, je dirais pas le mot. En fait, je me souviens quand on était petit, on faisait Concarneau-Brest, rien que pour aller manger dans un fast-food. Oh. Pour pas dire le nom. On allait avec les cousins, les cousines, la grand-mère, on allait tous là. Et quand le premier fast-food a ouvert à Lorient, c'était plus près que Brest, on allait tous à Lorient, quoi. Donc nous on n'a pas cette culture bretonne. Après Thierry comprend un peu le breton, mais c'est pas non plus son essence. En fait la musique bretonne et la langue bretonne, soit tu nais dedans vraiment oui. et t'as ça dans les tripes comme beaucoup de traditions, de culture et tout, soit tu passes à côté. Et c'est peut-être ma faute, hein, je passe peut-être à côté, je suis peut-être bête, hein, mais je n'ai pas appris. Et peut-être que ça serait maladroit si demain je sortais une chanson en breton. Mm-hmm. On pourrait se dire elle veut récupérer du oui. public, machin et tout. Donc si c'est pas vraiment foncièrement honnête à l'intérieur de soi, vaut mieux peut-être éviter. Je dis pas que je peux pas apprendre une reprise. Oui, oui, ça c'est autre chose. L'écouter à l'oreille et puis bien apprendre la prononciation, parce qu'en plus d'un village à l'autre, c'est pas le même breton. Mm-hmm. Ils disent des fois la même chose sans que ce soit la même chose. Alors c'est compliqué là. Moi je rame. Mais j'ai pas cette essence à l'intérieur de moi. J'apprécie une chanteuse bretonne. Et c'est pas la Nolwenn qu'on croit, c'est Nolwenn Corbel qui est de Douarnenez. Elle, j'apprécie ses textes, j'apprécie sa musique. Mais c'est pas du trad. C'est un peu rock, c'est un peu chanson. Là, j'aime l'écouter. Mais après, je me sens parfois agressée par la manière dont c'est prononcé. C'est un peu comme l'allemand, c'est cru, c'est grand. Mm-hmm. À chanter, je sais pas. Il y a des langues. L'occitan, c'est plus joli. Le corse, c'est plus joli. Enfin, je trouve ça plus mélodieux. Après, c'est mon oreille, hein, c'est totalement moi. Et comment justement tu y es arrivée en Bretagne ? En fait, moi je suis née à Concarneau, mais c'est ma mère, donc c'est pour ça que je suis franco-canadienne. Oui. Ma mère a été déracinée de Drummondville quand elle avait 14-15 ans. Et parce qu'en fait, l'histoire c'est que mon grand-père et ma grand-mère, donc mon grand-père espagnol, ma grand-mère canadienne, ils ont fait l'aller-retour France-Canada, Canada-France pendant des années, et finalement ils ont posé les valises en Bretagne, ils sont restés là. D'accord. Mais ma mère a toujours mal vécu d'être restée là. Parce que pour elle, le Canada, c'était toutes ses racines, 14-15 ans, ses premiers amours, tout ça. Donc elle a vraiment été déracinée et elle n'a pas voulu nous faire pareil. Quand mes parents se sont séparés, elle est restée là. Et elle n'a pas voulu nous déraciner, nous. Mais je crois qu'au fond, moi, elle ne m'aurait peut-être pas déracinée tant que ça. Parce que quand je discute avec des Québécois, surtout Yvon, qui fait les clips, il me dit, mais si, ça se sent que t'es de chez nous, ça se sent que dans la manière d'être... Bah, ouais. Je sais bien que je ne chante même pas comme les Françaises. Mmh. Ma manière d'avoir une grande voix, machin, c'est pas ça qui se fait ici. D'ailleurs, on leur dit souvent de fermer leur gueule. Bah, c'est vrai, Lara Fabian, qui est belge, oui. On lui a dit de se taire. Et aujourd'hui, sur l'album qu'elle a sorti, moi, je la retrouve pas, quoi. Non, c'est triste.
tout est sursuré, murmuré, alors que... Bah, elle a une voix énorme. Mais oui, oui. Et on casse ça. Pourtant, Adèle, on adore Adèle, mais Adèle, elle envoie, je suis désolée, oui. Elle envoie de l'air. C'est... Je suis sûre que quand elle est à côté de nous, et voilà, et non, mais je sais que je suis pas pareil. C'est triste hein, de plus aimer les chanteuses ou les chanteurs à voix. Qu'est-ce qu'on ferait de Piaf aujourd'hui, alors? Mais non, mais c'est un truc de dingue, je ne sais pas te dire, parce que... Même Brel, voilà. Brel avait une prestance scénique et une voix, non, les micros devaient être à ça, là. Je sais pas. Ouais. Mais bon, je renie pas la France, j'aime la France, mais je sais que mes racines sont au Québec et parfois, même sans le dire, il y a des gens qui disent « Tiens, mais t'as un petit accent... » Un peu, oui. Oui, parfois, puis je peux l'exagérer en plus, que je sais jouer avec. Enfin bon, je fais d'autres accents aussi, la Martinique aussi, quand je veux. Hein. Mais il paraît que ça fait pas bien la Martinique parce que j'ai un peu trop blanche, mais ça existe, mais ça existe des Martiniquaises blanches. Eh bien oui, tout à fait. Alors, faut pas dire des conneries comme ça, faut pas juger les gens. Hein. Et Titi, est-ce qu'il est originaire de Bretagne? Ah oui, oui, complètement. Ah, voilà, complètement. C'est un pur beurre. Un pur breton. Oui. Ouais. Alors, Lisanne, tu as parlé tout à l'heure de radio que tu aimerais bien être diffusée un petit peu partout en France. Justement, voilà, je suppose que tu as envoyé ton album un petit peu partout. Est-ce que tu es bien diffusée dans les radios? Et si oui, quel est l'accueil de tes chansons dans les radios? A priori, on m'a pas balancé mes disques à la figure. tout bêtement, on a joué début août à Noirmoutier et on va manger. Et après, je retourne vers là où on joue. Puis j'ai deux petits garçons qui viennent me voir. Disent, oh, on veut faire une photo avec toi. Puis je fais, tu sais, c'est drôle, on n'a pas commencé. Et leur maman, elle arrive, elle me dit, bah oui, nous, on t'a entendu sur, je peux la dire, oui. Sur Vague FM à Artenay. On a gagné ton disque et tout. Et on a vu dans le journal que tu étais là ce soir, alors on est là. Et j'ai trouvé ça génial. Je me dis, c'est trop fort. Mais oui. Ils nous ont entendus. Parce que Michel Tropico, il fait aussi venir des artistes sur des longues émissions le samedi matin. On a parfois la chance de chanter 3 heures. Enfin, il ouvre vraiment la possibilité aux artistes, tout comme Radio D'Artagnan et Pacific FM en Belgique, par exemple. Il a pas mal d'ailleurs passé des chanteurs de nouveaux talents. Et c'est ça qui est chouette. Et du coup, ça fait une belle ouverture. Et quand tu rencontres quelqu'un qui... Nous, on aime ce que tu fais et tout... J'étais toute touchée, je me dis, oh, c'est chouette. Et puis ils sont restés tout le concert, les enfants étaient heureux. Enfin voilà, c'est énorme, hein, la promotion radio, voilà, c'est énorme, hein, parce que. Ils t'entendent, donc ça donne envie d'aller te voir, et voilà, ça fait déplacer les gens. Et c'est tout bête, tu rentres dans ta voiture. Mais tout à fait. Après, on est soutenu aussi par des radios web, il n'y a pas de souci. Radio Love Star, par exemple, nous soutient beaucoup. Mais ce n'est pas tout à fait le même impact. Je veux dire, si on veut faire carrière, entre guillemets, on a vraiment besoin de la FM. Et c'est important qu'il y ait des radios FM qui ouvrent leurs ondes aux artistes émergents. Parce qu'il y a, des talents fous dans les artistes émergents. Je vais en citer deux. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, Nolan. Non. Je vais noter. Ouais. Je note. Je ne peux pas dire son vrai prénom parce que ça a changé, mais... Attends, je vais te le mettre. Alors, Nolan, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. C'est un garçon. Ce mec, quand je l'ai entendu la première fois à Limoges, il chantait « Je suis malade », et ben, je suis restée scotchée. Et depuis toujours, hein, depuis qu'on l'a rencontré, j'ai toujours dit « Ce gars-là, mais il faut qu'il se batte à fond ». Et ben, figure-toi que là, le 9 septembre, il fera une scène avec Claudio Capeo et tout, et je trouve ça génial. Très bien. Donc voilà, Nolan, super. Charlie Martin Jr., hein, que vous connaissez. Ah bah oui, voilà. Et que j'ai toujours trouvé fun parce que c'est un tout petit bonhomme, mais alors. Avec une pêche d'enfer. Oh là là. Énorme. Ce mec sur scène. C'est un showman. Oh là là. C'est un showman. Et puis ça chante bien. Oui. Ça chante juste, c'est en place. Et comme avec toi, toute toujours l'intention. Génial. Il est génial. Oui. Donc ça permet aussi, nous, entre artistes, de se découvrir les uns les autres et puis de se créer un petit calepin de gens qui. Avec qui on peut avoir des affinités. On a aussi Diane qui est un peu dans le même style qu'Alexandre Chassagnac qui fait du lyrique. Diane, quand Alexandre, on l'a eu, oui. Chassagnac. Tu vas voir Diane, peut-être que tu le rencontreras. Diane, quand il chante en face de toi, t'es scotché, quoi. Il te fait SOS d'un tarien en détresse. Ah, en plus, alors note. Daniel Balavoine, voilà. Grégory Le Marchal, tout va bien. Voilà. Bon. Et oui, on a l'occasion de rencontrer. D'autres artistes. Faut leur dire de gens. Nous contacter. Je dirais. De toute façon, en général, je transmets. Oui. Quand les radios ouvrent leurs ondes, je dis ben voilà, toi, peut-être, tu pourrais passer là. Puis voilà. On essaye de créer un réseau, de marcher ensemble. On n'est pas obligé de tous s'aimer, mais on peut se respecter. C'est ça. Tout simplement. Et moi, il y a des gens que j'aime pas la personne en elle-même, mais je sais que ce qu'ils font, c'est bien. Et donc, je serais aussi capable de le dire.
et de dire, bah tiens, s'il veut aller là, je suis capable de ça aussi, sous mes grands airs. Tu as dit le mot, voilà, du moment qu'il y a le respect, ça peut avancer. On est toujours le compte quelqu'un, comme dirait ma mère. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi, finalement. Tu trouves ? Oh, bah oui. Bon, d'accord. Moi, j'aime bien. Oh, pourquoi on ne vit pas au pays des bisounours ? Ce serait plus simple, quand même. Oh, on s'ennuierait. Hein, on s'ennuierait. Oh, ouais, un petit peu. Hein ? Je crois que chez les bisounours, il y a un grincheux aussi. Ah, il y a un grincheux ? Mais... Non, ça, c'est dans les Cévennes. Non, mais dans les bisounours aussi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est oui. Quand... Tu connais, toi. Hein. Et dans les Schtroumpfs aussi, il y a un grincheux. Et voilà ce que j'ai dit. Il y a des grincheux partout, mais c'est ça qui est bien aussi. Bon, et bien, ce qu'on va demander, nous, c'est un nouveau live. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as prévu, Lisanne, les prochaines chansons ? Ah, elle va regarder. Une petite improvisation. Une petite impro ? Ouais, sur une petite reprise. D'accord. Tu te sens ? Ouais. Mais oui. Allez, mais si, c'est une chanson de Céline Dion. Oh. Ah, oula, ça y est, oula. Jérôme, il va nous tomber par terre. Rougis pas, Jérôme. Mais pouvez... c'est en improvisation. Oui. Ah, parce que en fait, d'habitude, il l'a fait au clavier, mais là, on va l'improviser à l'accordéon. Et je l'embête parce que je fais un la dièse mineur comme tonalité. Alors du coup, il y a un truc un peu bâtard, là. Qu'est-ce qu'il me fait là, n'importe quoi. N'hésitez pas à appeler, hein. On va rappeler bien sûr le numéro de téléphone, 05... 62 69 06... 66. Vous appelez, vous pouvez gagner l'album de Lisanne. Elle en profitera bien sûr pour vous le dédicacer en plus oui, de en ça. Plus. Si vous voulez lui parler, il n'y a pas de souci, on vous met à l'antenne ou pas. Hein, on n'oblige personne, bien sûr. Ou vous pouvez envoyer des petits messages via le Facebook. Il est ouvert, il est devant moi, il n'y a pas de souci. Corinne Radio D'Artagnan. Et il y a le mail aussi. contact@radiodartagnan.com. Allez, on y va. C'est du live. C'est Lisanne, c'est notre invitée de ce soir. Une photo, une date. C'est à n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentirait ma mémoire, et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre ça, vous n'avez rien à craindre, la vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre, oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme mon père, un peu le nord, au milieu de trop vaste l'espace. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, à rien de tout. Où tout se dire encore bien, se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça, c'est pas la mer à boire. Aller face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent, le passe. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves, en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier. Encore un soir, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien. Pour tout se dire encore, bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se
repose et caresser. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, encore un soir. Un ton au-dessus, ça aurait été mieux. T'étais trop en bas. C'est pas grave. Alors, du coup, ça fatigue pas. Jérôme, toi qui es fan de Céline Dion. Mais c'est une version qui est vraiment encore plus agréable finalement. C'est, ouais. C'est ça. Pas merci. Alors là, magnifique interprétation et tu as un joli cœur. Ouais. Oh, merci, je suis tout chose. Non, c'est une excellente voix. Hein. C'est ça. Et puis, là, c'est une autre émotion qui, ah ouais, qui est superbe. On n'a pas le même contexte, hein. Moi, mon mari, il est encore là. Mais je trouve ça, l'histoire de cette chanson, elle est quand même folle. Faut se dire que René, il l'a validé avant de décéder, oui, ce qui allait sortir. Il a visualisé la carrière de sa femme quand il serait plus là. C'est ça. Et elle a le courage, la force d'aller lui chanter ça. Moi, je dis chapeau, hein. On peut critiquer, hein. C'est comme Johnny. Il y a des gens qui peuvent critiquer, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit Céline Dion ou Johnny, ce sont des bêtes de scène. C'est ça. C'est un show de 2h30 minimum. Oui. Et c'est un truc de fou, quoi. Oui. Ça envoie, ça chante, ça joue. Oui, oui, c'est parfait jusqu'à la fin. Elle est venue au mois de juin, ou début juillet, je ne sais plus. Les deux. Avec un orchestre. Oui. Je ne sais pas combien ils étaient sur scène, mais c'est un truc de dingue. Il y était, Jérôme, ouais, à Paris. C'est, ouais. Hein, c'est combien ils étaient sur scène, 50 musiciens, 60 musiciens, enfin, c'est un truc de fou là. Ouais, c'était une bonne quarantaine, oui, en tout. Ouais, bah tu te rends compte, toi, de jouer avec ça, l'émotion. C'est ça. Et puis parce que là déjà quand t'es porté par un musicien, ça donne quelque chose, mais t'imagines t'en as 50 derrière toi, tu vois, le truc que ça te donne. Non, elle est phénoménale, cette nana. Exactement. Et lui, il était visionnaire et il l'a pas laissé. En se disant, bah, écoute, moi je vais partir et tu te débrouilleras, quoi. Pas du tout. Donc jusqu'où va leur amour, c'est... Ouais, c'est beau. L'ange gardien. Ah ouais, complètement. Alors, on a des petits messages qui nous viennent via Facebook de Yves qui nous dit une petite bretonne. Voilà, ça on savait que c'était une petite bretonne qui venait. Charlie, on en parlait. Martin Junior. Adorable et beaucoup de talent, notre Lise. Bisous à tous et belle émission. Et Pauline qui te dit, attention, on écoute. Ah bon? Pourquoi je dis des bêtises? Non, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. J'ai pas dit de bêtises. Tout le monde sait comment je suis. Voilà, et Annick aussi qui nous écoute voilà, via Internet. Pour nous écouter via Internet, il suffit d'aller sur le www.radiodartagnan.com et vous cliquez sur écouter en live. Et voilà, c'est vrai qu'on capte très bien partout et partout dans le monde, même au Québec. C'est pas possible. Yvan nous écoute? Non, on n'a pas les mêmes horaires. Oh, c'est dommage. Il est très occupé en ce moment. Alors, on parlait tout à l'heure, Lisanne, justement, des concours. Oui. Que tu as fait pas mal de concours. Alors, des fois, les concours, ça permet de faire des rencontres, voilà, de pouvoir avancer aussi un petit peu ou pas, je ne sais pas. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce parcours dans les concours. Ah, j'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu pas mal. aujourd'hui, avec l'expérience, le recul, je peux y aller presque les mains dans les poches. J'ai plus peur du jugement. J'y vais pour l'expérience vécue, le plaisir d'avoir une scène sympa avec lumière, son, enfin des conditions scéniques professionnelles. Ça, c'est agréable. Mais le jugement derrière, c'est pas que je m'en fiche, mais il me fait plus peur. Je peux aujourd'hui aller face à un jury sans être déstabilisée. C'est déjà un énorme pas. Parce que tu m'aurais vu il y a 12 ans, c'était très compliqué pour moi déjà de retenir une chanson par cœur et sans stresser, parce que le track en fait me fait tout oublier. C'est pour ça que j'ai toujours un pupitre en face de moi. C'est pas par fainéantise, c'est parce que quand j'ai la trouille, j'oublie tout.
Donc au moins je l'ai, je sais que je l'ai, même si je le regarde pas, je sais que je l'ai. Donc de me dire qu'il faut que j'aille, que je vais être jugée, qu'il faut que j'apprenne par cœur, que parfois Thierry peut pas être avec moi. Et oui. Et qu'il faut retourner sur bande son. Oui. Que je suis plus habituée du tout. Parce que nous, toutes les reprises, c'est pareil, c'est une autre chose. Moi, quand je chante Billie Jean, c'est en jazz. Voilà, c'est, on refait les choses. Il y a même la lettre de Renan Luce en électro. Enfin voilà, on s'amuse quoi. Donc me dire ah bah ouais, il faut que je fasse ça tout seul, non, c'est très compliqué. Et pour le scoop, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis allée passer le casting de The Voice en Belgique. L'autre peut pas aller chez elle, non. Paris, c'est trop grand. Non mais bon, j'ai reçu un petit mail qui nous invitait à y aller. Alors on se dit bah, écoute, c'est l'occasion d'aller voir les potes parce qu'on a des amis sur Bruxelles et sur Tournai. On se dit tiens, pourquoi pas. Et dans l'après-midi, ils nous envoient un mail. Ah au fait, l'accordéoniste, il peut pas venir. Hein. C'est ouais, mais il est déjà dans la voiture, il conduit en fait. Bon, d'accord. Donc il fallait que je fasse notre prise d'Il suffirait de presque rien qu'on a complètement réarrangé avec un pianiste qui savait pas qu'est-ce que j'avais fait de la chanson. Je vous dis pas l'osmose entre lui et moi pendant le casting. Ah, il jouait super bien. Il suffirait de presque rien. Formidable, sauf que moi ça fait plutôt il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Donc là le jury il a vu que je tenais mon truc mais pas lui. Le pianiste après, de The Voice qui fait partie de... Oui. Voilà. Comment gagner des points. Voilà. Ou pas. Non, bah, ou pas, parce qu'en plus, de toute façon, toutes ces émissions-là, ils savent ce qu'ils cherchent. Mmh, ils cherchent des produits bien particuliers, des artistes plus ou moins malléables, ou avec déjà un univers qui sera vendable derrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut... C'est de la production, il faut vendre du disque, il faut vendre de la scène, donc voilà. Et puis en plus, quand toi, tu débarques avec tes cheveux bleus, surtout en ce moment, ils sont bleus piscine, puisqu'ils sont tous délavés avec le soleil et la pluie. Hein, et c'est la saison, bleu piscine. Hein. Voilà, donc du coup, voilà, tu débarques là, avec ton maquillage de scène qui est bien particulier, parce que je rentre dans la peau d'un personnage quand je suis sur scène. Je suis pas comme je suis avec vous aujourd'hui. Et du coup, soit quand tu rentres, tu interpelles dans le bon sens, soit celle-là, puis dehors. Même si tu chantes bien, ça n'a rien à voir en fait parfois. Des fois, tu as tes talents et j'ai rencontré Jimmy Welsh, un petit Belge formidable. J'espère qu'ils vont le prendre, sinon je leur casse la gueule. Et, mais il chante super bien. Il est venu nous rejoindre. Il est venu en vacances à Saint-Malo. Il me dit, t'es quelque part par là et tout. Je dis, ouais, je suis du côté de Bria, à 2 heures de Saint-Malo. Ouais, je viens. Sympa. Il est venu au camping nous rejoindre et on a improvisé des morceaux. Il chante super bien. Il a un univers d'enfer avec sa guitare et tout. Et ça permet les rencontres. Après, j'aime pas la compétition. Dans le sens que confronter les chanteurs les uns aux autres, déjà que c'est compliqué, mais tu crées encore plus de tension. Je rêverais plutôt d'une émission qui mettrait en valeur des auteurs, compositeurs qui viendraient défendre juste leurs chansons et que le public décide d'aller plus loin avec eux, mais sans compétition avec les autres candidats. Parce que c'est frustrant. Et on va toujours être la surenchère, la surenchère, la surenchère. Et toujours chanter des chansons qui, en technique, qui montent très haut, qui montrent vraiment toute une étendue de tessiture, parce qu'on voudrait écraser l'autre rien qu'en lui gueulant dessus, presque. Et ça va pas. Enfin, de mon point de vue, ça va pas. Après, c'est chacun. Maintenant, on aura la réponse fin août, là, peut-être, que j'irai à l'étape d'après. Pour moi, le défi, c'est d'avoir été le faire déjà. Parce que je suis pas vraiment pour ça. Et si ça va plus loin, ce sera tant mieux, parce qu'il faut prendre chaque chance qu'on te donne. Une visibilité de télé, faut pas s'en priver si on te la donne. Par contre, il est clair qu'on est deux, minimum. Moi, j'ai un musicien avec moi. Donc, ça sera compliqué pour moi s'il faut que je le laisse à la porte. Je sais même pas si je sais travailler avec d'autres d'ailleurs, puisque j'ai pas essayé. C'est vrai que c'est pas évident, hein, ça, quand t'es habitué. Ouais. Non, puis il me connaît par cœur. Si je me plante, lui il va continuer, sans personne ne saura rien. On pourra croire que c'était exprès dans la chanson. On se regarde, on sait qu'est-ce qu'on va jouer, comment on va le faire et quand. Ça, c'est. Je l'aurai pas demain avec d'autres musiciens, quoi. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, tous les mercredis soirs, on y revient un petit peu dessus. C'est vrai que si quelqu'un pouvait nous écouter, il existerait, comme tu dis, une émission avec les auteurs-compositeurs, ça donnerait autre chose. Hein. Oui, on en revient toujours au même problème. Est-ce que ça serait vendeur pour les chaînes télé? Est-ce que ça ramènerait des sous? Mais dans ce cas-là, tu fais service public. Mmh. Oui. France 2, France 3, France 4, France voilà. O, France 5, j'en sais rien, c'est Jésus tout dit, c'est bon. Comme faisait Pascal. Oui, parce qu'elle se vend. Et je l'ai rencontré dans l'émission Entrée des artistes. Alors, je ne suis pas passée parce que j'étais tombée malade. Ah, ben voilà. En fait, je suis arrivée donc à l'émission. C'était dans les premières fois que j'étais sur Paris. J'étais malade à crever. On s'est même demandé si j'allais pouvoir chanter quelque chose.
Et j'ai chanté Emmenez-moi d'Aznavour. Et Pascal Sevran m'a dit bon, je peux pas te prendre dans l'émission parce que tu vas me contaminer tout le monde. Merci, c'est gentil. Mais de toute façon, ça veut dire que c'est le destin. Ça, c'est tout arrive à point. C'est prévu. Ouais. Si c'est prévu, ça arrivera. Mais c'est que c'était pas là. Parce qu'il fallait que j'apprenne mon métier. Et ça, c'était il y a 12 ans. Et il m'a dit, quand tu vas rentrer chez toi, il y a une chose que tu feras. C'est toujours continuer. Continuer, continuer, chanter, apprendre ton métier, aller partout. Toutes les petites scènes, toutes les... tout. Mais chanter, continuer. Parce que tu as quelque chose. Mais aujourd'hui, t'es pas prête. Et 12 ans après, t'es prête. Ah, aujourd'hui, on peut y aller. Ouais, je crois que j'ai bien appris. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus du tout d'émissions comme ça. Voilà. Ouais, ou Facile c'est... à chanter aussi, qui était avec, comment il s'appelait Pascal celui-là Brunner. Ouais. Brunner, oui. Ça aussi, c'était sympa. Enfin, moi, ça me donnait envie. Beaucoup plus que Starac, où c'était vraiment trop compétition. Facile à chanter, ça me donnait envie d'aller. T'as quand je regardais pas les paroles maintenant. Voilà, bon, bah, ça peut-être un jour, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui y passent aussi. Voilà. Oui. Mm-hmm. On a eu Vincent Anthony l'autre jour. Oui, il y a quelques jours. Ouais. Enfin, quelques semaines. Ça fait plaisir hein, quand tu vois tes petits nouveaux talents, tu te dis oh, mon Dieu, ils sont à la télé. Bon, alors la télé c'est fait et après la scène. Voilà, on dit que les chanteurs, le mieux où ils sont, c'est sur scène face à leur public. Bah, je crois que c'est la place de l'artiste, quel qu'il soit. Vendre du disque, c'est bien, passer en radio, c'est bien, gagner de l'argent en droit d'auteur et tout ça, avec ça, ça sème, pas de souci. Mais l'essence même, quand même, du jeu, c'est d'aller chanter sur scène. Ou alors, je dis des conneries, mais... Non, je pense pas. Notre métier, c'est vraiment sur les planches, et quelles qu'elles soient les planches, qu'elles soient petites au coin d'une rue, ou grande, ou qu'elles soient sur une grande scène. Tout à fait. On a eu la chance de jouer à Quiberon une année, face à l'esplanade du casino, et... 3 000 personnes devant. C'est sûr que c'est grisant. Mais des fois, en petit comité avec 10, tu vis aussi des émotions parce que là, tu les as dans les yeux, les gens. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est plus grisant quand tu as 10 personnes que 3 000. Parce que 3 000, ma foi, ben, tu voilà. Vois le premier rang. Oui. C'est ça. Et quand tu le vois. Ouais. Oui, elle est proche. Et quand tu n'as que 10 personnes. Si, ils sont là. Et quand tu n'as que 10 personnes, voilà, ils sont vraiment captés. Tu les vois. Et, il paraît que c'est plus grisant. Je ne sais pas parce que je ne suis pas chanteuse, hein, donc je ne peux pas te dire. Il vaut mieux pas que tu le sois, Corinne. Ça y est, elle est gentille ce soir. Voilà. Oh, ça, c'est pas ça fait des mois que je dis que je voudrais chanter, elle me dit non. Donc pourquoi je dis pas... Tu veux pas chanter non plus? Il vaut mieux pas. Ah, bon, mais... Si, on a un bon trio. Non, le duo va très bien. C'est vrai que moi, j'apprécie quand même pas mal les petites salles. Entre 40 et 100 places, je trouve ça vraiment intimiste. Et, tout à fait. Et pour aller raconter des histoires, c'est plus facile. Et puis, ils sont captés. Mmh. Voilà, quand tu as 5000 personnes, c'est pas évident. Mais... Ouais, aux Vieilles Charrues, par exemple, quand tu sais que le premier rang, il est venu, genre, je sais pas moi, quelle tête d'affiche on pourrait dire, Les Insus ou Indochine, et que toi, t'es pas connu. Mais ils sont tous là au premier rang. C'est pas parce qu'ils veulent te voir, c'est parce qu'ils veulent être au premier rang pour ceux d'après. Et donc, faut que tu réussisses à convaincre. T'étais aux Vieilles Charrues? Non. Ah, j'aimerais un jour peut-être, je sais pas si j'arriverai. Parce que si moi mes fans ils sont tous à l'autre bout des 50 000, coucou, c'est à toi que je chante, oui, c'est toi que je regarde. Mais un écran géant, je ne te vois pas en fait. Et ben je serais complètement déstabilisée sur une scène immense, formidable sûrement, et de me dire, ouais, ils sont venus voir Stéphane Echer, et moi ils m'aiment pas, ils me connaissent pas, de toute façon ils s'en fichent, mais ils sont là quand même devant moi et puis ils me regardent pas. Mais ça dépend, parce que des fois c'est un bon public aussi. Hein. Voilà, ils viennent peut-être voir un artiste. Mais ils peuvent être gentils, tu penses? Ah oui, 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 parce qu'ils viennent voir plusieurs artistes et alors ils sont là pour découvrir après tout. Et donc ils sont attentifs, oui, justement. Oui, ouais. Tu pourrais essayer de mais, faire mais ça. Mais sinon, je peux passer à 14h, c'est juste bien ça. Pourquoi? Bah, c'est bien, 14h après, je vous lis. Ah non. Comme ça, je les vois pas, ceux qui m'aiment pas. Enfin, qui ne me connaissent pas. Enfin, j'en sais rien. On verra bien. Et s'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas ne pas t'aimer. Ils ne te connaissent pas. Donc, voilà. Non, mais si on a l'opportunité, on ne va pas cracher dessus. Bah, je pense bien. Pourquoi pas vivre l'expérience? Au contraire, non. C'est... Ben oui, ça, ce sont de belles scènes. Hein. Ouais, j'aurais peur 10 minutes et après, je serais une barjo comme d'hab. Quoi. pas 10 minutes, parce que si tu chantes 3 chansons, les 10 minutes, c'est cuit. Hein. Ah, faut que, donc, pas que j'ai peur. Donc, 3 minutes alors. Voilà, à peine. Hein. Faut à que j'ai peur sur la première chanson. Megalo Girl, comme ça, les choses sont placées. Voilà. C'est tout. Mais bon, tu t'entraînerais, tu travaillerais si tu avais des scènes comme ça. Hein? Demain? Non, ouais. Pas demain, je suis pas prêt. Mais l'été prochain, pourquoi pas. Il faut tenter, il faut toujours tenter. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Oui. Alors, tu as parlé tout à l'heure, bon, pour les associations, on sait que tu fais beaucoup de concerts pour pas mal d'associations. Hein? Voilà. Est-ce que ça t'a permis justement de rencontrer des chanteurs ou chanteuses assez célèbres, assez connus?
On a fait une scène avec Anthony Chaplin, qui est connu par chez nous, qui avait un titre un peu breton, qui s'appelle Marie la Dondaine. Et je vais revenir à Claudio Capéo, mais c'est son sosie. C'est le même genre d'artiste. Ouais, on est sur le même genre de répertoire. Mmh. Enfin, c'est rigolo. Après, là, comme ça, à brûle-pourpoint, des très connus, non ? Parce que, en fait, je vais encore casser du sucre sur le dos de la Bretagne, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui viennent chez nous, en fait. En fait, des plateaux comme on voit sur d'autres régions, on n'a pas beaucoup de choses comme ça qui sont montées. Souvent, les œuvres caritatives, c'est du trad ou des choses comme ça, c'est plus plus folklore qui viennent pour récolter des fonds. Bon, ça marche aussi, donc tant mieux, l'important c'est que ça récolte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, à part la Nuit des Étoiles dans les Côtes d'Armor, où là il y a des stars des années 80 et tout ça qui sont venus au mois d'août. Nous, Finistère, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça. Faut monter vraiment Côte d'Armor un petit peu plus haut quand même, ou sur Cap Fréhel, tous ces endroits-là où déjà il y a un petit peu plus de stars entre guillemets qui viennent, de vedettes comme dit Dev. J'aime bien qu'elle dise ça. Mais voilà, on n'a pas encore eu. J'aimerais bien croiser Fabienne Thibault qui est souvent par exemple sur des choses comme ça, pas un petit peu plus haut, Bordeaux, Limoges, tous ces endroits-là, elle est souvent par là. Donc, on verra bien. Hein. Alors justement, on a une question piège. J'ai trop peur. Non, mais c'est une belle dame. Eh bien, on va laisser aux garçons ce soir de poser la question. Allez, Jérôme. Demain, il y a un ou une artiste très connue qui te dit « Je veux faire un duo avec toi. » On connaît la réponse, mais tu choisirais qui ? Je peux en choisir deux ? Oui. Oh, bah oui. Ben, Sheila et Céline Dion. Ça ferait deux styles différents, en plus. C'est ça. Ouais. Ah, mais j'aimerais ça, ouais. Ah oui, complètement, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, après, il y en a plein d'autres, hein, mais même Calogero, hein, il peut m'appeler demain. Je connais ses chansons d'avant aussi, et donc. Bon choix. C'est ça. On ferait Jeune Voyageur, tiens, ça serait pas mal. Ou Aime-moi encore. Première chanson. Quand on est fan, c'est ça. Hein, quand on... C'est ça. Bah oui, mais même par exemple de Claude Barzotti, j'en connais plein que les gens connaissent pas. La Maison d'Irlande, par exemple. C'est une chanson magnifique. Je connais Madame, le Rital. Oui. Oui. De Phil Barnet, Tour d'Ivoire, par exemple. Tout le monde connaît Avec qui tu vis. Un enfant de toi. Voilà. Mais allez chercher plus loin, il y en a des belles. Mais c'est vrai que des fois, il sort un tube, y a l'album, mais nous, on est habitués à un tube et on n'écoute que le tube. C'est pour ça qu'ici, on achète les albums maintenant. Comme et on les fait découvrir. Désirless, beaucoup de gens s'identifient à Voyage Voyage, oui. Mais là, elle vient de sortir un disque de reprise, d'adaptation des poèmes de Guillaume Apollinaire. Mm. Mais cette femme, elle a une voix. C'est ça. Sans rire. Quand je l'ai écoutée juste en piano-voix comme ça, elle a une voix à la Barbara. Oui, mais et tu t'en rends pas compte sur Voyage Voyage ? Mais non, parce qu'on connaît que celle-là, et voilà, les gens, tu dis Désirless, ils te disent Voyage Voyage. Voilà. Rien d'autre, hein. Et pourtant, et en plus, elle est adorable, elle est super accessible. Tu parles avec elle sur Facebook. Sur Facebook, ouais. C'est un truc de fou. C'est ça. Elle est adorable, cette femme. C'est génial. Et moi, j'avais posé la question pour éventuellement faire une première partie, mais elle me dit, non, tu sais, ton style correspond pas à ce qu'on fait. Mais elle nous avait répondu, elle avait pris du temps pour écouter et répondre. Mmh. Ça, c'est vachement chouette. Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup d'artistes comme non, ça. Hein non, du tout. Et si on te posait à l'heure actuelle, est-ce que tu as un artiste actuel, hein, je parlais, hein, les jeunes qui viennent de sortir maintenant, est-ce qu'il y en a un ou une que tu aimes particulièrement? Les jeunes artistes de maintenant. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un blanc tous les mercredis soirs. Hein, je te rassure, Lisanne. Ouais. Joker, il existe ah, non. Bon, allez. Bon, comme on fait tout un répertoire de reprises d'animation, on a Kenji Girac et Louane, hein, parce que les enfants, ils aiment bien. On a la Reine des Neiges aussi, remarqué. Je ne sais pas combien de fois je l'ai chanté cet été, mais libérée, je l'ai délivrée. Chanté. Et j'en suis libérée, délivrée, la saison est finie. Oui. Non, j'ai les beaux, le dessin animé, parce qu'on est sur l'anti-héros, et ce n'est pas souvent. Le héros n'est pas celui qu'on croit, et ça, c'est bien. Ils ne savent pas de quoi on parle, mais je vous expliquerai. Et non, d'aujourd'hui. Bon, c'était Lisa. Je suis navrée pour les artistes d'aujourd'hui. En fait, j'écoute à la radio, j'écoute des émissions de vieux. Non, mais c'est tous les mercredis soirs. C'est compliqué. Tous les mercredis soirs, c'est très compliqué ça. Ouais. Parce que ou alors dans ce cas-là on va dire Zaz, mais parce que j'aimerais découvrir artistes sur scène,
Parce que pour moi, c'est plus facile, parce qu'avec tout ce qu'on fait en technologie, oui. Dans un studio, oui. D'une casserole, t'en fais une Rolls-Royce. Oui. Mais le live, ça trompe pas. C'est ça. Parce que tu le vois s'il chante ou s'il chante pas. Y a une petite veine qui gonfle ici. Si elle gonfle pas, c'est qu'il chante pas. Puis souvent, ils sont piégés quand ils disent merci au micro. C'est ça. Merci. Oui, d'une manière ou d'une autre. Quand on a l'habitude de la musique, de la chanson, on le voit vite, hein, quand c'est on sait du playback. Hein. Oui. Mmh. Bon. Mais oui, c'est vrai, je sais pas. Mais bon, Zaz a un univers qui souvent me compare à elle, d'ailleurs. Donc, voilà. Bon. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va chanter. Tu vas chanter une autre chanson. J'ai chanté du mois. Alors dis-moi ce que tu veux. On va leur dire merci parce que mine de rien, le temps file. Oui, mais t'inquiète pas du temps. Ah, je m'inquiète pas. Bah, alors. Alors, je m'inquiète pas. Mais on va leur dire merci quand même. Merci. Tu veux bien leur dire merci? C'est dans le prochain album ou... Oui, ce sera dans le prochain album. Il n'existe aucun enregistrement. Vous allez avoir la seule et unique enregistrement de cette chanson ce soir, maintenant. Et voilà, ça, il faut le dire, c'est de l'inédit. Eh oui. C'est de l'inédit, c'est Lisanne ce soir à Radio D'Artagnan. On écoute. J'ai parfois fait des erreurs, souvent pris les choses trop à cœur. Mais dites-moi franchement, n'est-ce pas la vie simplement? On avance parfois à l'envers, on fait les choses croyant bien faire. Dans l'angoisse et la peur, survient la rancœur. Laissez-moi vous dire merci, grâce à vous j'ai appris à me méfier de moi, à me méfier de vous. Laissez-moi vous dire merci, c'est la vie qui nous lie, à l'expérience, au défi, et je me fous de vous. Oui, je sais, j'ai de la chance, je joue la persévérance. Même si les jaloux et les loups guettent ma révérence, et trahis par les miens, abattu comme un chien, je relève la tête et le corps pour leur donner tort. Laissez-moi vous dire merci, grâce à vous j'ai appris à me méfier de moi, à me méfier de vous. Laissez-moi vous dire merci, c'est la vie qui nous lie, à l'expérience, au défi, et je me fous de vous. Je sais, j'ai souvent fait l'erreur de partager la richesse de mon cœur. Je suis lucide et clair, je referme la barrière. Vous n'aurez plus d'espace, je monte un mur de glace. À tous les vautours je laisse les paillettes et les strass. Laissez-moi vous dire merci, grâce à vous j'ai appris à me méfier de moi, à me méfier de vous. Laissez-moi vous dire merci, c'est la vie qui nous lie, à l'expérience, au défi, et je me fous de vous. Je cherche la reconnaissance, mais pas la ressemblance. Faut pas croire les rumeurs, elles n'ont aucune valeur. Laissez-moi vous dire merci, laissez-moi vous dire merci, merci. Merci. Lisanne, c'est notre invitée de ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, émission tous les mercredis soirs de 18h à 20h sur Radio D'Artagnan. On va passer à l'actualité, les garçons. Eh ben oui, puis il y en a une
qui arrive dans pas très longtemps. En plus, on va en reparler de ça. Mars 2017, c'est dans pas très longtemps. Oui. Oui. Bah, tout dépend comment on voit le temps. C'est pareil en kilomètres. Nous, quand je dis, oh, bah, on peut peut-être vous voir, oh, ça fait 300 bornes, hein, c'est bon, c'est à côté. Il y a quelques dates aussi, si j'ai bien compris, qui vont arriver là. Oui, des petites choses comme ça qui vont arriver. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah ben, tout. Tout. Alors, le monsieur veut tout savoir, mais j'ai pas emmené ma tête. Dis-moi, dans quelle heure je dis quoi? Comme tu veux, on va parler des prochaines dates, de tes prochaines actualités. Alors, les prochaines dates. Le 2 septembre, nous serons à la Taverna 21 à Barjouville, près de Chartres. D'accord. Le 4 septembre, nous serons au Guilvinec, dans le 29, à la Chaumière. Super restaurant, poisson, tout ça, tout, poisson frais, génial, formidable. Le 10 et 11, on sera dans le 35 pour le festival, je vais dire des bêtises. Oui, j'ai pas emmené ma tête, hein. Lézard, quelque chose. Mets-toi en scène, va me casser la figure. Bon, je réviserai. Mais 10 et 11 septembre, ouais, dans le 35, il est vilaine. Ensuite, le 23 septembre, on retournera à la Taverna, à Chartres. Au mois d'octobre, on fera une pause travail. Pour mars. Composition, voilà, mmh. Travail en studio et tout. Et la date, là, vraiment, la plus importante à venir, c'est le 26 novembre, donc au Novo Max à Quimper. Parce que, bah, déjà, il n'y a que 122 places et on sera en formule complète. On sera normalement tous les quatre sur scène, donc ça va être chouette comme tout. On aura aussi deux premières parties. On aura Laurie, qui est une petite demoiselle qui a une voix à la Birdie, que j'adore, qu'elle a 18 ans, elle est formidable. Et on aura Rudy, qui fait du rap conscient. Me dites pas, je sais pas exactement ce que c'est, mais ce que j'aime surtout, c'est que, c'est un jeune homme avec un grand cœur et il fait du rap avec plein d'amour, plein de belles choses, et ça, c'est important. Comme ça, sur scène aussi, il y aura différents styles, et j'aime bien tendre la main à ceux qui démarrent. Ils sont tout jeunes, ils sont mignons, et voilà, moi, j'aurais aimé, quand j'avais 15 ans, que quelqu'un d'un peu, qui avait un peu de bouteille, dise, tiens, viens faire 3-4 chansons, on sait jamais, si ça peut leur ouvrir des portes, au contraire. Oui, ça leur crée un CV, et voilà, tout à fait. Et c'est bien. Puis la musique, c'est du partage, hein. J'espère, normalement. En tout cas. Enfin, moi, j'aime ça. Je suis pas contre même d'improviser des duos et des choses comme ça. C'est ouais, au contraire, c'est sympa comme tout. Mais je suppose que tes dates, on peut les retrouver sur ton site internet. Oui, alors dès que je récupère internet à la maison, je mettrai le site à jour. Je sais, pour l'instant, on est en concert en mai. Voilà. Heureusement, je peux mettre à jour la page Facebook grâce au téléphone portable. Ouais. Heureusement, sinon, je serais complètement coupée du monde. Vous vous rendez pas compte, c'est un truc frais dans la fin. Hein. Et je pourrais pas chasser des Pokémon. Ah non, genre ça se passe, c'est vrai. Mon Dieu, quelle histoire, ça aussi. J'ai vu un truc, un petit article, il y en a qui chassent des livres. C'est pas mal, les livres. Bah, aller chasser des artistes et des CD, par exemple. Aussi. Et voilà, c'est pourquoi ça. Pas. Ouais. On va lancer une chasse aux artistes émergents avec leurs CD. Ceux qui ont envie de s'amuser, tiens, on va créer ça. Oui. Aller laisser des CD un peu partout dans des endroits et que les gens les découvrent. Ça peut être marrant. Ça peut être très marrant. Très marrant, même. Oui. Voilà. Je sais, je... Donc, artiste... Émergent, oui. Artiste go. Ouais. À vos CD. Donc, les actualités, tes concerts, voilà, ça sera via ton site internet, oui. Le Facebook, tout voilà. Ça, l'actualité, elle sera là. Et donc, le projet de disque à venir, il est là, il est pour mars 2017. Voilà, et on peut déjà souscrire, m'envoyer un petit courrier avec un petit mot de soutien. 1 euro pour ceux qui veulent pas le disque, mais qui veulent m'aider. Et puis, de 10 à tout ce qu'on veut, même 100 000, si ça les amuse, on saura quoi en faire. Hein. Oui, vous mais, inquiétez pas. 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro. Ça voilà, fait plein d'heureux. Et c'est ça. Voilà, les gens, ils se rendent pas compte, mais voilà, c'est tout simple. Et, ça a un coût de fabrication. Oui. À notre niveau, un studio peut aller de 2000 à 3000 euros, par exemple, parce que tout dépend le nombre de musiciens, tout dépend ce qu'on décide de faire. C'est du travail, le travail de montage, mixage, arrangement, tout ça, c'est du travail. Après, le pressage, c'est pas le même prix si t'en fais 500, si t'en fais 2000. Mais si tu veux être distribué, t'es obligé d'en faire au moins 2000. Et ensuite, il y a toute la com derrière, l'attaché de presse, tout le travail. Soit je décide que je le fais moi et je passe moins de temps à la composition, au travail scénique, ou soit on décide qu'on embauche du personnel, entre guillemets, et on doit investir, et c'est normal. Donc tout ça coûte beaucoup de sous. Parce que la société est faite comme ça maintenant. Si on se retourne au troc, on retourne au troc. Hein.
Moi, je suis pas contre un confit de canard contre une chanson, hein, pourquoi pas. Du foie gras. Oh ouais. Sur du bon pain de campagne grillé, oh là. Oh mon Dieu, ça y est, on a fait. Et puis qu'est-ce qu'on met comme petit vin avec ça, hein? Ah, on a du bon vin aussi. Justement. On va à la cave de Plémont, là-bas, et là, il y a du bon vin, hein, qui va bien avec le foie gras, croyez-moi. N'est-ce pas, les garçons? Bah oui. Ouais. Il n'a pas l'air concerné. Non. Il préfère les gésiers? Ah oui. Donc on a dit voilà les dates, le CD à venir, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir via le Facebook de Lisanne. Si vous trouvez pas, voilà, on a mis le lien. J'ai mis les photos, hein. Ah, je suis pas coiffée, pas maquillée, je suis dans mon jus, j'ai mon chien sur mes genoux. C'est du direct, c'est ouais. Ça, voilà, parce que les gens aiment bien voir les artistes, voilà. Je viens de tout mettre, le temps que tu chantes, clac, 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 tu vois, sais, je fais vite. Hein. J'avais presque pour idée d'appeler l'album naturel, mais je crois que ça va être bon. Hein. Oui. Mais plus on est naturel et plus on nous aime. C'est ça. Bon. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, mais j'ai essayé les cheveux naturels. Ah oui. Et les gens, ils me reconnaissaient plus. Ben, toi, c'est bleu, moi, c'est rouge. Voilà, il y en a, c'est orange, il y en a, c'est rose. Il y en a, c'est. Ouais. Ben voilà, chacun est comme il est. Et puis. Ah, mais c'est je trouve tout. Ça rigolo, moi. Ben oui. Je m'amuse, moi, avec ma coiffeuse, c'est plus rigolo. Mais là, tu es en plein été, couleur piscine. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est ça. Bon. On va te demander une autre chanson. Il y a plus. Après, tu vas dire, faire tes petits messages aux auditrices et auditeurs, et plus finir avec une autre. C'est ça qu'on avait prévu. C'est génial, c'est formidable, oui. C'est super. Tu sais, quand on fait tous ces kilomètres pour venir nous voir, c'est un peu normal aussi. Mais c'est avec plaisir qu'on les fait. Ben ça, je sais, c'est pour ça. T'as pas tes lunettes. Alors, on va lui dire, la chanson, c'est... Je suis France. En dos. J'ai barré le M, c'est que c'est pas un cœur. Je suis France, Lisanne. Oui. Est-ce que c'est une inédite, ça aussi? Ah, c'est totalement inédit. Oui. Et même la version là que vous allez avoir, c'est pas ça qui va se passer sur le disque. Sur l'album. Eh voilà, bien, encore c'est, mieux. C'est vraiment. Inédit à Radio D'Artagnan. Oui, exclusivité. En plus, je te jure, à 18h, il était pas encore au courant non plus. D'accord. On y va, Lisanne, c'était direct. Tu vois, là, j'ai Alzheimer d'un coup parce que je suis pas sûre que c'est ça la chanson. Ouais. Alors. Attends, bouge pas. T'es vraiment pas sur la bonne, je t'assure. Ouais. Des heures sombres et sanglantes, Paris 21h30, on entame la descente vers l'enfer de la guerre. Guerre de religion, lutte ou trahison, l'enjeu toujours le même, devenir l'être suprême. Je suis France, point levé tolérance, humain seule référence. Face à la déviance, les humains doivent s'unir pour fuir l'indifférence, de la haine s'affranchir au-delà des frontières. Toi et moi, nous sommes frères, nos peaux et nos couleurs, nous devons être fiers. Je suis France, je suis France. Point levé tolérance, humain sale référence. Je suis France, point levé tolérance, humain sale référence. À tous les Charlie de France, pour vivre des heures meilleures, il nous faut ouvrir nos cœurs,
vers la vie et ses lueurs, de New York à Paris, de l'Angleterre à l'Algérie, la seule chance de survie, humains tous unis. Je suis France, je suis France, point levé tolérance, humain seule référence. Je suis France, je suis France, toi et moi ressemblance, humain seule référence. À Paris, à Bruxelles, à Nice, à toutes les villes, à tous les humains. Je suis France, je suis la vie, je suis humain. Beau message encore. Ah oui, 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 ça donne presque les larmes aux yeux. Oui, franchement. Hein? Non, bah non, non, surtout que c'est presque la fin. Hein? Non, hein, ça serait dommage de se quitter en pleurs déjà. Lisanne. Oui. On te sait humble et voilà. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan? Je voudrais déjà te remercier, toi. Vous remerciez vous aussi, les garçons. Parce que vous ouvrez le micro et vous nous donnez la possibilité de nous exprimer sans censure, c'est-à-dire qu'on passe nos messages comme on a envie. Et je vais remercier les auditrices et les auditeurs de nous soutenir, autant la radio que nous, les artistes émergents. Sans vous, la création sert à rien, et Dieu sait qu'on a besoin de la création. J'aime les reprises, j'en fais beaucoup, avec plaisir, mais il n'y a rien de plus grisant quand quelqu'un en face de toi reprend ta chanson. En fait, quand tu chantes, par exemple, je sais pas, ma bienvenue en Finistère, et qu'en face, les gens reprennent le refrain, ça fait un truc de fou. Donc, vive la création, vive les artistes qui mettent leurs mots en musique et qui ont envie de les défendre sur scène. Au contraire, il faut y aller. Même si toutes les émissions qui passent sont de la reprise, parce que les gens s'identifient souvent à ce qu'on fait de la reprise, ce qu'on fait des autres, il faut continuer aussi à créer. Il faut en glisser quelques-unes par-ci, par-là. Il faut pas hésiter à donner notre vision des choses. Oui, puis c'est largement mieux les propres compositions, voilà, que de faire que des reprises aussi. Hein. Bah, je pense qu'à un moment donné, il faudrait aussi un statut différent. Le statut d'auteur-compositeur qui serait rémunéré d'une manière, et le statut d'artiste qui fait que de la reprise. J'ai rien contre, mais dans ce cas-là, les sosies auraient leur place à ce niveau-là, les orchestres de bal auraient cette place-là, et les auteurs-compositeurs auraient peut-être plus de facilité à gagner leur vie de leurs chansons, parce qu'ils auraient un autre créneau. On aurait une autre ouverture sur un autre créneau. Comme ça, ça permettrait aussi, du jour où on sait vraiment composer, eh ben de basculer, de faire plus que ça. Et de placer une ou deux reprises, comme Calogero, il a repris une année, il avait fait Manu de Renaud au piano, voilà. Mais sur scène, c'est différent. Mais au moins, de pouvoir vraiment défendre ce qu'on est capable d'écrire. C'est pas le même exercice. Un musicien qui fera une école de musique pourra faire toutes les reprises du monde s'il a envie. Mais tous les musiciens ne deviendront pas compositeurs et tous les chanteurs ne deviendront pas auteurs. Voilà. Je lis en même temps parce que tu as des petits messages qui arrivent. Voilà, on te dit Cyril, merci pour cette émission. Ah. Yves qui t'écrit bien la prestation. J'ai pas pu tout écouter. Problème de connexion, c'est vrai que des fois ça coupe un peu. Il faut actualiser. Voilà, bon, c'est internet. Hein, voilà. Oui, c'est pas toujours grave. En forme à ce que je vois. Lisanne continue comme ça. Voilà. Et Nati qui te dit la chanson France, superbe. Ah, merci. Bah, elle vient du cœur. Hein. C'est pas pour récupérer des événements, parce que ça serait dégueulasse avec ce qui se passe. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de décès et beaucoup de gens meurtris dans leur chair, dans leur vie, dans leur sang. Non, c'est quelque chose que j'avais envie de crier et voilà. Oui, malheureusement, des choses comme ça, ça se crie, oui, comme tu dis. Ouais. Je prendrai pas les armes demain parce que j'ai des enfants. C'est ça. Mais oui. Si j'avais pas eu d'enfants, je serais peut-être capable de monter au créneau pour moi aussi, aller leur en foutre plein la gueule. Ben oui, parce que quand tu vois que c'est des enfants qui ont trinqué, oui. Bon, moi je veux pas en parler parce que. Non, non. L'obligation de réserve de par ton métier, tout ça, t'as pas le droit. Mais, voilà, mais quand je vois que c'est des enfants à terre, il y a même pas de mots. Non. Il y a pas de mots pour ça. Tout à fait. Voilà, surtout quand on a des enfants et que c'est des pauvres petits innocents. Et... Bon. Hein? On va finir en beauté avec une autre chanson. Oui. Lisanne. Et finalement, je ne vais pas faire ce que j'avais dit. Ah. Lisanne. Ah.
Alors, t'as lu, c'est bon. Ouais, j'ai lu. Bon. C'est bon. Alors, tu finis avec quoi, Lisanne? Je vous laisse découvrir. D'accord. C'est une reprise. C'est une reprise. Ouais. Il mélange au fond de sa tasse de miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Perdu au fond de sa classe et son air, il se débat avec le coriace pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi parent ne prend pas d'aise. Des câlins il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait. Monsieur Calogero. Tout le monde l'avait reconnu. Hein. C'est hein. Ça. T'as plein de cœurs partout. J'aime bien cette chanson, là, des frissons. Nati, reprise de Calogero. Tu as. Attends, il faut que je compte les cœurs. Alors, 1, 2, 3, elle est partie sur la ligne en dessous. Voilà, le portrait de Calogero. C'est ouais. Une chanson qui me parle quand on a son père qui est parti pendant 19 ans et qui est revenu du jour au lendemain et qui aujourd'hui n'est pas bien loin et que c'est comme s'il n'était pas là. C'est une chanson qui parle. Et puis en plus, tu as eu un privilège ce soir, parce que tu avais un choriste. Hein. Oui. Oui, il est sur mes genoux. C'est un chihuahua qui fait un kilobit, monsieur Hippiglou. Quand il fallait, exactement. Il a mis le ton là où il fallait. Mais c'est surtout parce qu'il voit les enfants de l'autre côté de la porte. Il a le droit de dire son mot aussi. Il est mignon comme tout, il a été sage comme tout en plus. Il n'a pas bougé. Hein, tu vois, c'est vite passé, 2 heures. Hein. Il y a des chanteurs, ils nous disent le mercredi soir, vous êtes sûr? 2 heures, ça deux fait heures d'interview, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, et puis tu vois, on a même dépassé les 2 heures. Ça se fait tout seul, c'est pour ça. Lisanne, on te remercie encore une fois, et Titi, d'être venue, voilà, de Bretagne. On reviendra. Dans les studios de Radio D'Artagnan. Oui, tu risques de revenir dans le Gers, parce que tu vois, c'est avec des fois... 2017. Oui. Hein, oui. Toi aussi, ça me fait tilt. Voilà. Des fois, tu sais. Ouais. Ah, il y en a d'autres à qui ça fait tilt. Ouais, oui. On a des scènes en prévision, tout ça, tu sais. Bon, là, pour l'instant, on est sur le concert de Radio D'Artagnan. Et j'espère que tout le monde va venir parce que le plateau est magnifique. Oui,
Voilà, mais après, c'est vrai qu'on nous demande d'autres scènes, tout ça, donc on doit faire appel à pas mal d'artistes. Voilà. Et là, d'un coup, ça m'a fait tilt, paf. Voilà, oui, effectivement. Très bien, c'est parfait. Hein? Moi, je ne veux pas me plaindre. Moi, je, alors là, je prends. Et puis, t'en profiterais pour manger un petit peu. C'est exactement. Et voilà, confit de canne. Non, puis on s'est amusé, là. On a fait Castelnaudary, Cassoulet. Enfin, tu veux dire, il y a ce qu'il faut, là. On s'amuse. Non, mais je vais te dire, voilà. Mais ça fait du bien aussi. Hein, de oui. s'amuser et de profiter. Mais bien sûr. La vie est faite pour ça un petit peu mais aussi. Complètement. Hein bah oui. Alors Lisanne, eh bien, on va se dire à très très vite. Avec plaisir. Parce pas que ça soucis. C'est pour mars 2017 cet album. Oui. Mm-hmm. Voilà. Donc on va se recontacter. Pas de problème. Hein tu sais, il y en a qui écoutent, attention. Oui, mais nous, quand on parle, malgré que certains disent qu'il n'y a que moi qui crois en ce que je dis, ben oui, voilà, après tout. Ça arrive, ça, qu'il y en a qui disaient ça. Voilà, donc ben, on peut dire, voilà, on t'envoie de vilains messages, tu peux... C'est parce qu'ils ne te connaissent pas, c'est parce qu'ils ne t'ont jamais vu. Ben, quand pourtant parles... aussi, voilà, des gens qui me connaissent, bon, ah bon normalement, quand je dis, je fais. Hein, mais les ils garçons, ont... je pense que... Oui. Mais voilà. Ils ont oublié que tu regardais les gens dans les yeux quand tu leur parles, donc... voilà, donc après après, tout, ce qu'ils ne voyaient pas, c'est le travail qu'elle fait derrière. Voilà, je ne suis pas productrice ni tourneuse, je fais ce que je peux avec ce qu'on a, on nous demande des artistes, on place les artistes qu'on nous demande, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. C'est déjà ça, bien. Hein, voilà. Donc, petite prévision, peut-être en 2017, Lisanne dans le Gers, de toute façon, ça fait un moment qu'on me demande c'est vrai, ça. De te faire venir dans le Gers, parce que tu as un style bien particulier et qui est bien adéquat. C'est pour ça qu'on a appelé ça pop and roll. Ouais, t'as raison, voilà, tu mets ça, les gens, c'est ils notre disent, étiquette. Ça doit être bien, voilà, on va venir... On te remercie encore et puis de toute façon, vous inquiétez pas si des dates dans le Gers se mettent avec Lisanne, on en fera l'actualité. On est là pour ça pas aussi, pour faire la promotion. Merci encore Lisanne et Titi d'être venus et profitez encore de vos vacances pour visiter un petit peu le Gers. Hein surtout les assiettes. Oui. Et ce qu'il y a dedans, hein, surtout. Hein. Ouais. Bonne nouvelle, j'ai faim et ça arrive pas souvent. Bon. On va souhaiter une bonne soirée à nos auditrices et auditeurs. On va faire signer, bien sûr, l'album de Nati et de Henriette. Ah oui, t'as tout noté, oui. Arnaud. On va bien sûr vous les envoyer, vous inquiétez pas, les albums. Et puis, on va vous souhaiter une très, très bonne soirée. Et puis, rendez-vous à mercredi prochain pour de nouvelles découvertes. Salut, salut. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Radio D'Artagnan. Ça commence avec... Et c'est ensemble, ensemble. Et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h à 20h sur Radio D'Artagnan. Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte. Je t'emmène où la musique s'enchaîne, où les paroles se rêvent, loin du froid de l'hiver. Radio D'Artagnan, c'est ça. Ensemble.